Bonsoir. Monsieur Abdul. Abdelaziz, bonsoir. Alors, comment ça va? Bonsoir mesdames, bonsoir la reine Valérie, bonsoir la reine Eta. Merci. J'ai mis du rouge et du rose et du rose. J'accompagne du bleu. Donc, on va parler des dons spirituels ce soir. Bonsoir et bienvenue, mes choisis. Vous savez que je touche tous les aspects de votre vie, non? Quand il faut parler de spirituel, je parle. Quand il faut parler d'argent, je parle. Quand il faut prendre la Bible, je prends. Quand il faut parler des coutumes, je parle. Vous-même, vous connaissez, non? Parce que c'est un tout. Tu fais un, tu laisses l'autre, tu vas lire l'heure sur le calendrier. Tu vas confirmer. L'or et tal, les chapeaux seront disponibles vendredi prochain. Pour le Cameroun, c'était possible. Mais comme beaucoup d'entre vous, vous êtes en Europe, je finalise tout mardi. Donc, je vais finaliser, je vais leur envoyer, je vais attendre qu'ils me donnent l'autorisation finale. Soyez juste patient. Tout vient à point à celui qui s'attend. J'ai appris à ne plus trop me presser pour certaines choses. Bonsoir et bienvenue. Je vais parler des dons spirituels ce soir à nouveau. Beaucoup, certains parmi vous, vous avez vos chapeaux, vous avez vos écharpes, vous gardez pour les événements. Pourquoi? Bonsoir le Daïchika. Bonsoir la reine Angeline. Bonsoir la reine Misségué. Pourquoi vous gardez? J'ai quelqu'un qui vient sur Paris jeudi prochain. Donc je vais voir si je peux lui donner ça. Ouais, même vos livres. Donc je vais pas devoir me casser pour attendre DHL et tout ça. Donc quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'elle part jeudi prochain. Bon, pour les écharpes, pour ceux de l'Europe, je vais les faire un peu plus épais que ça. Donc, ils sont un peu plus épais que ça. C'est-à-dire, au lieu de ça, vous avez ça. Parce que quand le froid te touche là-bas, tu mets une petite écharpe sur toi, ça te... Bonsoir, la reine Tiana. Je n'étais pas eu ce matin. Si tu savais comment j'avais besoin de toi dans la vidéo. J'ai parlé de dîmes ce matin. Tous les premiers du mois, je fais des vidéos à 6h. Entre 6h et 6h30, comme ça. Donc, pour ceux qui commandent là, pour Paris, je crois, je suis sûr à 75% quand même qu'elle pourra prendre. Avec les cahiers, beaucoup de vos enfants demandent les livres et tout ça là. Oui. Bonsoir, la reine Yaga. Bonsoir. Vous savez que vous êtes ma famille, non? On doit se voir. Moi, je vais pas vous parler chaque soir comme ça, là, on ne s'est jamais vu. Et vous prévient d'abord. Il y a peut-être deux ou trois parmi vous qu'on s'est déjà rencontrés physiquement. Et vous ne vivez pas dans la même ville que moi. Hein. Il y a une qui est en France, dès qu'elle est tombée sur ma vidéo, la semaine qui suivait, elle avait prévu de venir au Cameroun. On s'est vu direct. La vidéo que j'ai faite ce matin, j'espère que ça vous a donné beaucoup d'argent. Bonsoir mes choisis. Vous ne devez pas manquer. Vous ne devez pas manquer d'argent.
Si tu peux parler aux morts, si tu peux entendre ce que les morts disent, si tu peux voir les esprits chez les gens, comment l'argent va te dépasser? Nous ne sommes pas seulement spirituels, les gens se moquent de nous. Elle m'a choisi. Vous me plaisez ce soir. Il a été fâché jusqu'à. Yeah, j'avais la rage. Aïe. Ah, yeah. J'ai choisi. Merci la reine Valérie. Ok, la reine Chana, tu viens, on se voit, il n'y a pas de souci. Même déjà aux États-Unis. L'autre après le direct dit, on se parle. Elle me demande que tu aimes quoi? Tu dis, moi, j'ai ri jusqu'à. Je dis que non, quand tu vas venir ici, là, moi, je vais venir te voir. Comme je suis dans n'importe quel état, je vais venir te voir avec mes enfants. J'ai ri jusqu'à. Bonsoir, le roi Serge. Donc, comment tu vas? Je veux saluer ceux qui vont me regarder plus tard. Les Canadiens, les toi là. Bonjour. Vous venez de vous réveiller. Nous, on est là dans la journée jusqu'à. Je sais que vous allez regarder ceci demain matin. J'ai des gens qui me regardent fidèlement chaque jour. Et ça vous éclaire beaucoup sur vos dons. Donc, je vais encore parler des dons spirituels aujourd'hui. J'ai parlé d'argent, j'ai parlé de relations, j'ai parlé de... J'ai un peu contourné, je reviens sur les dons encore. Bifaka, tu sais, quand on m'écrit inbox, si tu m'écris, tu m'informes de quelque chose et que je n'ai rien à répondre... Je vais seulement dire, ok, soit il veut voir, il ne veut même pas répondre. Parce que parfois, je lis mes messages on the go. Parfois, ils sont en consultation et je suivais ton message comme ça là. Il dit qu'il veut répondre, après j'oublie. Donc vraiment, ne prenez pas les choses personnellement avec moi. Don't take it personal, please. Bonsoir la reine Tchénier. Bonsoir la reine Béatrice. Béatrice, tu arrives toujours tard. Je te salue toujours en retard tous les jours. Hein? Tu n'as pas la notification sur ton téléphone. On va parler des dons spirituels. Parce que Dieu m'a rappelé qu'il faut que je vous parle de ça. Ça va activer et conserver vos dons. Vous savez qu'il y en a parmi vous. Vous parlez au monde, non? Bon, je sais. Je sais que vous parlez au monde. Ne dites même pas, ne commentez pas. Il y en a parmi vous, vous partez au deuil de quelqu'un comme ça là. Vous parlez même au mort qui est mort. C'est à celui qui est mort. J'allais dire au mort qui est mort. Aujourd'hui, là, ne commentez pas. Ne vous trahissez pas. Regardez seulement comme ça là. Chez vous, vous faites comme ça là. Dites que je. Qu'elle connaît. Bonsoir, Marie. Marlène Nassioué. Bonsoir. Il y a les soirs, je n'aime pas trop vous prendre profondément. I don't like to go deep because... Mais je sais aussi qu'il y a des jours, il faut que j'y aille vraiment profondément. Oui. Certains parmi vous, vous avez fait des fausses couches. Et vos bébés veulent vous parler. Je ne suis pas en train de blaguer là. Bonsoir, le roi Mohamed. Et vos bébés veulent vous parler. Ton enfant est mort à 6 mois dans ton ventre, à 2 semaines, 3 semaines. Il veut te parler. Peut-être que tu avais la fille, ta copine avait son fils. Son fils meurt. L'enfant là veut parler à sa mère. De temps en temps, il vient pas à la maison, vous êtes dérange. Bon, on va prier. Je vais commencer avec ceux qui sont là. Seigneur, je te demande que tu puisses être présent pendant que je vais parler. Je demande que tu m'ouvres les yeux, les oreilles, que je puisse parler de façon exacte. Je prends autorité sur tout esprit qui va vouloir interrompre ou déranger pendant que nous serons en train de... Pendant ce moment très personnel pour certaines personnes. Je demande aussi que tu puisses donner à certaines personnes ce qu'on appelle closure. Closure, ça veut dire
que tu puisses trouver un mot de fin pour sceller une situation dans ton cœur. Que des solutions soient apportées. Que des confirmations aussi soient données. Que tu aides tes enfants à comprendre qu'ils ne sont pas fous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Vous savez, il y a eu des moments où des choses spirituelles me sont arrivées. Je suis allée sur YouTube. J'ai écrit. Comment savoir ce don? Je ne trouve pas. Quand tu entends les voix, ça veut dire quoi? Quand tu rêves de ça, ça veut dire quoi? Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'atmosphère spirituelle. Actuellement. Certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que dans leur environnement, peut-être ton mari, ta belle-famille, ta famille, personne n'est spirituel. Et en tant que choisi, tu peux les lire. Bonsoir, s'il vous plaît, honorez ma vidéo, partagez mon direct, s'il vous plaît. Parce que les choisis ont un degré de vérité qui est très fort. C'est pour ça qu'ils sont en mesure de regarder. Quand vous regardez un Decepticon, vous pouvez le lire. Ou le scanner. Quand quelqu'un est faux, vous n'avez pas besoin de 30 minutes. Dès que vous déposez les yeux sur la personne comme ça, là, vous pouvez savoir que... C'est vrai qu'il y en a qui prétendent et il y en a qui sont vrais. La première chose, je suis là pour vous dire ce soir que vous n'êtes pas fou. Il y a des personnes à côté de qui, quand tu es souvent, tu ressens, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, tu ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose te dit, bon, c'est ma belle-mère, non. Chaque fois que tu la vois dans le rêve, elle essaie de casser ta porte pour entrer. Chaque fois, elle essaie de venir. Parfois, elle vient, prend même ton enfant, elle veut partir, tu bagarres avec elle. Dans la réalité, oh, ma belle-fille. Dès que je te tourne. Et tu ne connais pas qu'elle a deux visages, physiquement, mais ton esprit connaît. C'est pour ça qu'elle est tellement gentille avec toi. Tu n'aimes pas. Elle te donne même les habits que, oui, ça c'est pour mes petits-fils. Tu ne veux pas porter. Tu ne veux pas mettre sur les enfants. Parce que quelque chose en toi te dit que... Quelque chose te fait savoir que... Tu as essayé de parler à ton mari, non? Il dit, oh, toi, tu vois les démons partout. Pardon, sors de la maison si tu avais ça. Oh, tu as versé le sel dans la maison si jusqu'à. Tu as déjà fait tout ça, ah, pardon. Oh, tu parles, les regards sur le match, regarde le match, regarde le match. Il y a des choses qui se passent dans les maisons, mais... j'aime mes yeux, c'est comme si j'ai les yeux roux. Il y a des choses qui se passent dans les maisons. Il y a des gens qui souffrent intérieurement. On vient, on va attaquer ton mari. Et quand on te trouve à côté de lui sur le lit, on t'attaque parce que tu as une barrière pour lui. Et quand tu lui dis, tu ne peux pas partir avec les amis, là, il ne comprend pas ce que tu dis. Et c'est toi qu'on vient attaquer la nuit. Le lendemain, pas encore boire avec eux. Tu as déjà parlé fatigué. Parce que tu connais que dans la nuit, c'est toi qui fais les batailles dans la maison là. Donc en fait, ça c'est le quotidien des choix. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. L'affaire là existe, vrai là. Donc, ce que tu ressens souvent là, c'est... Donc tu vois le genre d'amis que dès que tu les vois à distance, on là... Chérie, tes amis là. Oh non, 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 ce sont mes amis d'enfance. Ah non, 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 ne parle pas de mes amis.
Mais très bientôt, là, ils vont être... On va les dévoiler. Bonsoir, oh. Merci de partager ma vidéo. Je vais checker le nombre de partages. Parce que souvent, vous faites comme ça, vous venez vous regarder, vous partagez pour ma vidéo. Il n'y a que la reine Jeanne qui dit souvent que partager. Ou la reine Valérie qui dit souvent partager. Malien, c'est où? Tu regardais quoi dans mes yeux? Bon, j'ai 47 partages. Farine, merci pour le partage. Marlène, merci pour le partage. Quand vous regardez les bonnes choses, il ne faut pas profiter de ça seul. Il y a certains de vos amis que vous savez qu'ils ont besoin de la vidéo aussi. Comment développer ses dons spirituels? Donc, j'ai une formation, je vais former les choisis. Sur leurs dons, sur les dons seulement hein, spirituels. On ne parlera pas de finances, tout ça. Ce sera l'esprit. On va parler de pouvoir là. Quand vous allez entendre certains pouvoirs que les gens ont, vous allez laisser pour vous s'ouvrir. Donc ce sera la fin du mois d'octobre. Merci la reine bébé. Le logo, je l'ai eu en vision. C'est vrai que c'est assez explicite. Dieu m'a donné le logo là en vision. Il m'a dit la couronne, les mains, le diamant, comme vous avez vu là. Bonsoir la reine Sylvie, bonsoir la reine de phrase. On veut bien dire, il y a une formation sur les pouvoirs pour les choisir à la fin du mois d'octobre. J'en parlerai tout le long du mois d'octobre. Non, la formation sera en ligne. Actuellement, j'ai une formation qui se passe là. On fait ça sur Zoom. Donc, ne vous donnez plus les excuses pour ne plus rien faire. N'essayez pas. Hein. Ils doivent savoir. Vous avez compris. La lumière doit venir sur eux. J'ai beaucoup de secrets que je vous donne sur la page ici. Et là, je les entends. Ça les dérange. La lumière doit apparaître. Et la lumière est là pour détruire les œuvres du mal. Donc vous allez les laisser partir. La meilleure façon d'opprimer quelqu'un, c'est de le mettre dans une prison sans fermer la porte. Tu lui mets dans la tête qu'il y a le cadenas sur la porte. Yakuta, j'aime Yakuta. Beaucoup de choisis. Vous parlez à vos anges. Quand ils veulent vous parler, vous doutez. Que Marine, qu'est-ce que ça veut dire? Ils t'ont répondu. Tu as posé la question, ils t'ont répondu. Maintenant, tu dois savoir que le langage
des anges, dans le spirituel, ce n'est pas le même langage que nous ici on a. Premièrement, vous devez croire que quand je parle, je prends le vin que je verse, je parle comme ça, comme une folle. Dans la nuit, on va me répondre. Soit on me réveille à 3 heures, je vais entendre une petite voix qui parle. Soit c'est dans le rêve, et je vais me réveiller, je vais me rappeler. Beaucoup d'entre vous, vous êtes opprimés. Votre corps physique fait mal. Parce que vous êtes attaqué, mais vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez. Premièrement, je viens contre toute confusion. Je nettoie cette atmosphère. Tous ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront, je chasse la confusion de votre esprit au nom puissant de Jésus. Que tout tourbillon dans lequel on vous a mis, je vous en sors maintenant au nom de Jésus. Je vous connecte à votre protection ancestrale. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus oublier vos ancêtres. Vous n'allez plus oublier qu'ils sont là. Vous allez vous connecter à leur protection. Le moment venu, vous allez appeler s'il faut appeler. Votre bouche ne va plus peser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Certains parmi vous, vous êtes en Europe, vous vous cachez carrément parce que déjà au pays, on ne vous laissait pas. J'ai parlé à une personne qui était aux États-Unis. Elle dit que depuis qu'elle est arrivée là-bas, on ne sait, elle est à 7 ans, ça fait 7 ans, on ne sait même pas qu'elle est là-bas. On ne la laissait pas respirer au Cameroun. Attaque sur attaque. Attaque. Les enfants comprennent plus. Je suis allée chez une dame aujourd'hui. Il y avait son fils de 1 an. Et quand je parlais, mon écharpe était sur la chaise. Il faisait que venir vers ça. Tout le temps. Les enfants comprennent certaines choses que vous faites semblant de ne pas comprendre. Hier, j'aime le fils d'une autre. Il a pas 12 ans. Hein. J'étais en train de prier au téléphone avec sa mère. Je sais pas ce que je faisais avec sa mère au téléphone. Il dit que lui aussi, il veut qu'on prie pour lui. Je parle au téléphone. Dès qu'il se connecte, je commence à voir son futur. Je vois, je parle sur lui, je prophétise, je prie pour lui. Après, il dit à sa mère, « Maman, prends mes 10 000 dollars d'argent de beignet là. Tu envoies, c'est mon offrande. » Apprenez la dîme à vos enfants. Apprenez les principes spirituels à vos enfants. Vous allez voir. Un jour, tu seras malade, c'est l'enfant là qui va venir. Il va mettre la main sur toi, ça, tu vas t'élever. J'ai ma fille, elle a 11 ans et quelques mois. Un jour, j'ai prié pour un homme là que vraiment, il est du village, d'un village à Yaoundé comme ça. Ça parle là. Hein. Quand il commence la délivrance comme ça là, j'ai remis. Le jour où j'ai fait ça, on a prié, je ne sais pas combien d'heures. On finit. Et les semaines qui ont suivi, il a commencé à prophétiser. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir, il commençait à voir dans le spirituel et tout comme ça. Dès qu'on finit, la moitié de mon corps paralysé. Même pas 10 minutes après. Je me couche sur le lit et ça commence, je dis, mais c'est même quoi ça? J'appelle ma fille. Je ne vois pas pourquoi ils te font pas appeler. Ma fille, elle s'assoit sur le lit. Elle prend la main. Elle a parlé au diable parce que moi-même, j'ai eu peur. Satan, enlève tes mains de ma mère maintenant au nom puissant de Jésus. La fille a parlé, elle a fait une prière comme ça, ça m'a secoué. 2 minutes plus tard, mon corps revenait à moi-même. Vous ne connaissez pas le pouvoir de vos enfants. Il y a parmi vos enfants, il y en a que la nuit, ce sont eux qui vous protègent, mais vous ne savez pas.
Souvent, vous devez vous lever le matin comme ça, là, faites-leur un gros câlin. Parce qu'ils ont bagarré la nuit. Vous devez, premièrement, croire que le spirituel est aussi réel que le physique. Parce que je suis un être spirituel d'abord. Bonsoir. Il y a des niveaux. Il y a des moments de votre vie où votre esprit était tout petit. Votre esprit est devenu petit. Le poids a pris le dessus. Ça, c'est les périodes où tu étais en train de coucher avec les décepticons dans des autres. Tu étais dans un truc, tu faisais la fémania. Tu faisais des faux business où tu volais, tu mentais chaque jour. Ou bien tu sortais avec un homme parce que tu voulais qu'il te donne les papiers. Quand c'est comme ça, là, ton esprit se cache. Il manque, ok. Mais même comme ça, tu es toujours protégé. Même comme ça, de temps en temps, souvent une fois comme ça en passant, tu arrives chez quelqu'un comme ça, là, tu vois un mauvais esprit qui est accroché quelque part. Ou même seulement ton entrée dans la maison, là, chasse tous les démons, là. Dieu n'enlève pas son onction sur toi. Mais il y a les moments où toi-même, parce que tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas le pouvoir que tu as, tu commences à douter. Et quand tu doutes, c'est genre tu arrives en Europe, tu te dis que je ne peux pas avoir mes papiers sans passer par l'homme-ci. Il te fait toutes les misères, tu supportes. Parce que je te dis que toute ta vie, ça ne peut que ta vie n'est que dans les mains de cet homme. En passant, voilà ma mère. Vous la voyez. Elle vous salue. Donc, il y a des périodes où votre esprit se tait. Il laisse la voix à votre corps. C'est le moment où vous voulez seulement vous fringuer. Merci Brigitte. Il aime ce que je dis. Il connaît, son esprit reconnaît ce que je dis. Quand je vous parle, je parle d'esprit à esprit. Esprit à esprit. Vous voyez comme je souris beaucoup, non? Ma mère est en train de sourire comme ça, en fait. Elle est en train de vous sourire comme ça maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai longtemps ignoré ce que mon esprit peut faire? Comment je peux quitter de là et passer à l'étape où mon esprit peut prendre la relève, le dessus? Je vais vous donner des grandes lignes. Bien sûr, pendant la formation, on verra des petits détails. La première chose, ton environnement. Très souvent, tu parles avec des personnes qui ne croient même pas au spirituel. Dès que tu parles de spiritualité avec le gars là, il veut seulement, viens on couche ensemble. Viens on va au restaurant. On va sur le bateau mouche. On va faire les snaps pour montrer aux gens. On va faire ceci. Voilà tout ce qui l'intéresse. Tu restes et tu commences à dire que oui, regarde un peu le direct de la coach ici. Tu le touches un peu comme ça. Déjà, laisse-moi tout ça. Bonsoir la reine Maga. Bienvenue. Donc, tu ne comprends pas. Tant que tu n'as pas dit oui à un homme, il n'a pas accès sur toi. Mais dès que tu t'ouvres déjà, c'est un peu comme si tu te, on dit en anglais subdue, comme si tu te domines. Tu
Tu vas parfois te retrouver dans la relation, là, même 5 ans, 7 ans, 9 ans. C'est pas la grâce de Dieu que tes yeux vont s'ouvrir après. Tous tes dons que tu avais développés quand tu avais la vingtaine là, depuis au moins 10 ans, c'est maintenant là que tu viens de recommencer. Quand tu m'écoutes là maintenant, c'est quand tu m'écoutes là maintenant depuis un mois là que ça commence encore à se réactiver. Donc je dis premièrement, il y a ton entourage qui doit changer. Je vais vous dire ce que vous devez faire. Je ne suis pas là pour demander votre avis. Parce que vous là souvent, hey, mais tu ne comprends pas. Oui, c'est le père de mes enfants. Oui, il va me donner le papier. Oui. Deuxième chose, ce que tu manges. Ta nutrition. Ce soir, c'est là, juste que vous avez mangé trois boules de coquilles ou bien de... Un choisi ne mange pas n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez les glaires toute la nuit. Ça vous dérange. Malène, si oui, tu n'as même pas besoin de leur dire, tu veux convaincre qui? Tu fais ta chose, non? C'est à la fin qui justifiera les moyens. Tous les glaires que vous avez la nuit là. Parfois ça te tue et tout. Comme vous n'avez jamais les glaires là, vous n'avez pas non. Vous n'avez pas non. Vous allez leader. Faites comme si vous n'avez pas. Tu manges, Rosana. Dès que tu viens de manger, tu vas te coucher. Tu ne fais pas de nettoyage gastrique. Les ancêtres ont tellement inspiré. Il y a des docteurs traditionnels au Cameroun. Ils font des produits à base de plantes. C'est bien dans le carton, hein, comme le médicament. C'est bien, il y a des thés. Il y a un produit en particulier. Je vais envoyer ça en France. On va vous le vendre. Demain, il faut que j'apporte ça, je monte dans la vidéo ici. Le produit là, tu prends ça 10 jours d'affilée. C'est comme un thé. Ça nettoie ton système digestif. Généralement, le matin, ça te fait, dès que je te réveille, ça te fait aller à la selle. Dès que tu fais le matin, là, c'est bon. Ça nettoie tout dans ton système. Les glaires, les fauves, tout là. Ça sort. Ce n'est pas toutes les nourritures qui a le... Ce n'est pas tout ce qui est bon dans ta bouche qui est bien pour ta spiritualité. Tu détestes la sensation, mais ce soir même encore, tu vas encore manger quelque chose comme ça. Non? Le truc, c'est que beaucoup de nourriture camerounaise... Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai mangé la sauce gombo. Il y a une maman qui vend le coquille pas loin de chez moi. La semaine passée, pour lui faire plaisir, j'ai acheté le coquille pour manger. Pouh. Il y a des cauchemars. Vous avez fait des cauchemars certaines nuits à cause de la nourriture que vous avez mangée. Ce n'est pas les mauvais esprits qui sont venus vous déranger. Toi-même, ta mauvaise nourriture. L'huile. Les fritures. Toi, quand tu manges, dès que ça descend là, tu as la glace avec. Tu pars. Le héros. Quand tu viens manger le héros là, tu craches combien de fois? C'est un peu comme l'alcool. Quelqu'un peut être bien portant. Mais pour le connecter, pour le connecter au monde spirituel négatif, il suffit qu'il prenne une boisson. Il boit. Souvent, ils appellent ça spirit.
C'est quelque chose de physique que j'ai mis dans mon organisme qui m'a connecté au mauvais esprit. Voilà la définition de l'alcool. Le héros, c'est une nourriture qu'on fait avec beaucoup d'huile rouge. C'est les épinards. C'est comme des épinards. On mélange des épinards mous avec des épinards durs. Et on met beaucoup de viande. La viande n'est pas bonne pour vous. L'effet de cette nourriture-là, c'est que ça t'alourdit. Dans la nuit, quand l'esprit te parle, tes ancêtres te parlent, tu n'entends même pas. YouTube. Tu es déjà trop bourré pour moi, pour écouter. Tu es trop bourré pour écouter. Le pain. Le pain blanc n'est pas bon pour vous. Are you listening? Are you listening? Are you listening to me? Are you listening right now? Le pain blanc là, les croissants. Le pain au chocolat. Le truc c'est que ceux qui sont de la haute société, les sociétés secrètes là, ils savent ce que je suis en train de dire. Faut avouer quand même que il y a des cercles dans lesquels ils ne se... On n'accepte pas n'importe qui. Tu dois prouver aux gens-là que tu peux te contrôler. Vous entendez ce qu'il dit? Bonsoir et bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Le sucre, oui. Vous devez éliminer le sucre dans votre... Le miel. Et même le miel là. On m'a apporté des produits d'Angleterre, ça fait peut-être 2 mois. Quand ils comparaient le miel anglais et le miel... du village, même ici, du miel bio. Parce qu'il y a le, ici, là, même, il y a le miel qu'ils ont fait n'importe comment. Avec les, je savais pas qu'on élevait même les abeilles qu'on a nourri avec la Provence. Je sais pas, c'est une façon de parler. Il y a les abeilles biologiques. Le miel, là, c'est 5000 francs la bouteille de 1 litre. Quand tu prends comme ça, là, oh, ça revêt tes sens. Le riz blanc. Tous les bourratifs là. Cherchez le riz ndop. Si vous n'en avez pas commandé chez moi, je vais vous envoyer. Le riz ndop. Et quand vous faites à manger, mettez le maximum de vegetables. Par le genre que quand on regarde une tuque camerounaise normale, quand on fait le râpé par exemple, c'est on te met le couscous, on met la sauce d'arachide, il n'y a pas de légumes. On te fait le riz sauce tomate, il n'y a pas de légumes. Et quand on met même les légumes là, c'est un petit comme ça, c'est seulement pour teinter l'assiette. Farine, quand tu vas progressivement t'habituer, tu vas voir que tu auras tellement de choses à manger. Tellement de choses à manger. Toi, c'est juste ce qu'on t'a habitué, c'est ta culture. Si vous avez à remarquer, quand vous partez peut-être, vous savez que l'homme camerounais, quand il sort pour manger, il passe au bar, il prend un gros plat de porc, il met devant lui, il mange. Testez, hein, dans la semaine-ci. Allez, on a vous acheter beaucoup de porc. Toutes les émotions du porc là.
manger, dormir, dites-moi un peu la quantité de glaire que vous allez avoir la nuit là. Si vous rêvez, vous vous rappelez de votre rêve, ou bien si vous avez une révélation la nuit, appelez-moi, vous me dites, je vais vous donner un billet. Quand tu sors en route, si tu es choisi, tu sors comme ça là pour chercher la nourriture. Tu ne peux pas trouver la nourriture qui va te connecter, qui va élever ton esprit. C'est pour ça que quand Jésus a dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Ce n'était pas la blague. Et vous devez boire beaucoup d'eau chaude. Achetez le thermos, vous marchez avec. Tu changes l'eau, tu deviens qu'avec eau chaude. Tu te réveilles le matin, eau chaude. À midi, eau chaude. Pas le thé, hein. Ben, vous connaissez. Les Anglais sont forts pour ça. L'anglais va te dire cup of tea. Il va te mettre 5 sucres dedans. Matin, 5 sucres, midi, 5 sucres, soir. Attendez, bois d'abord. Je ne veux pas donner la bière. Même le jus. Achetez la machine pour faire les jus, vous mettez chez vous. Parce que même le jus qui disait au magasin que c'est le jus bio là. Viens arrêter moi l'autre là. Vous épluchez la nana. Vous pouvez congeler une partie. Vous faites votre shopping de fruits. Vous congelez. Et il y a des machines à smoothie que vous achetez. Ça en 4 bols. Tu mélanges, tu peux mettre le céleri. Tu mets une pomme de France peut-être. Tu mets de l'ananas, tu mets une banane, tu mets, parfois je mets aussi des carottes, tu remues tout ça. Parfois j'ajoute une touche de miel dedans. Tu mets un peu de miel. Ça va donner un peu, ça va relever le sucre dedans. Ou tu mets de l'eau de noix de coco. Tu fais ça dans ça là, tu peux faire deux comme ça, tu mets dans ton frigo. Quand tu bois ça, tu vas sentir comment ton corps va te dire merci. Tes sens vont s'activer. Parce que ce qui te fait tu communiques avec les morts là, c'est l'esprit qui est dans toi. C'est dans tout ton corps. C'est pour ça qu'il y en a parmi vous quand ils parlent comme ça souvent, vos mains chauffent. Les mains chauffent. Exactement, Nancy, c'est toute une école. Mais tester, parce que moi j'ai commencé à manger comme ça, on and off. Parfois que je suis dans une relation avec un Decepticon, il dit, oh, toi tu arrêtes un peu ta façon de manger là. Après je laisse. Quand je le quitte, les champignons deviennent ma viande. Les champignons, les concombres, tout ça. Je ne peux pas aimer que ça dedans. Je mange comme ça, ça me plaît jusqu'à. Tu vois, quand tu finis de manger, tu es en forme. Tu peux encore rester même 2 heures de temps. Tu es en forme. Merci Farine pour les partages. Ce que vous mangez, faites l'expérience. Allez au marché. Parce qu'il y a le degré où tu manges d'abord ça, après il y a le degré où tu passes au bio. Et le bio est encore un peu plus cher. Manger sain et manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Vous voyez les smoothies que je vous ai dit là. Vous buvez ça, tu bois ça, ça te remplit le ventre. Après, tu manges un peu. Et pour grignoter, il faut toujours avoir des trucs comme les arachides, les amandes, les raisins séchés. Tu peux faire un bol où tu mets tout ça dedans. Et puis après, tu divises. Si vous achetez des petites gamelles là, il y a des gamelles avec des compartiments. Coupez-les, enlevez les biscuits de votre alimentation. Videz. Dans mon bureau, j'ai les bonbons parce que j'en donne beaucoup aux enfants. Et quand j'ai parfois des invités. Videz tout ce qui est sucré. Les conserves alors. Faites. Pas de conserve. Ketchup. Ah, c'est le sucre.
acheter du sel rose pour mettre dans la nourriture. Parce que votre corps hein, est habitué à préparer de nourriture que vous n'allez pas, ça va pas faire une heure au feu. Tu prépares ton riz pour faire le complément, ce qui va accompagner le riz. Tu peux faire du haricot, tu fais frit. Je crois que je vais souvent faire des directs où je suis en train de préparer. Parce que moi, ma nourriture, je la fais en 15 minutes. Maxi. Tu prends des haricots. J'aime beaucoup les haricots. C'est plein de... Je crois que ça contient du fer. Ça a un peu les mêmes choses que les protéines. Les mêmes choses que la viande. Donc, j'en mange souvent beaucoup. Le haricot, je le fais avec n'importe quoi. Je peux te découper des carottes, poireaux, poivrons, même du... Tout ça, c'est les riz en bloc. Je mets dans le haricot. Il fait frit. Bon, je mets un peu d'eau. Surtout, quand tu prépares sain, tu vas devoir beaucoup assaisonner. Le cube, alors, oublier. Donc, moi, je parle du fait que vous ne mangez plus le cube. Vous ne connaissez pas la couleur du cube. Donc, le cube ou donc... Quelqu'un passe à côté de reçu que tu dis, arrête de moi, Satan. Oui, les protéines. Théo, les restos, c'est pas bon. Et vous allez voir le truc, c'est que c'est très rare de trouver un resto où on te fait de la bonne nourriture qui est bonne pour ton énergie. Maintenant, vous préparez que ce soit le plus frais possible. Généralement, je prends une courgette peut-être. Ou bien deux carottes, une feuille de céleri, tac, je mets le un oignon, rapidement, ça passe vite. Je prends le ginger, j'aime découper mon ginger. Mais vous pouvez le râper aussi si vous voulez. L'ail, je l'écrase même avec la peau carrément. Moi, je mange la peau de l'ail. Moi, c'est mes délits que j'aime dans la nourriture. Il y a cette petite écorce là. Attendez, je réponds à quelqu'un. Ok. L'émission de la cuisine, Camé. Nancy, c'est bien que tu ne te sentes plus seule. Oui, le gingembre. Mais j'aime pas. Le gingembre, quand je mange comme ça, ça pique trop. J'aime pas ce qui pique. J'aime pas quand mon estomac est irrité. J'aime la douceur. Ma douceur. Du coup, quand je prépare, quand je vais la semaine prochaine, je crois que je vais faire venir ma cuisinière ici. Je vais souvent faire des petits repas comme ça. Quand je mets les arachides grillés dans la sauce, je ne laisse pas plus de 10 minutes. Pas votre truc que vous faites cuire, après vous mettez à feu doux pendant une heure là. Vraiment, tous mes aliments doivent respirer dans la nourriture. Ça doit respirer. Le piment, mettez une croix dessus. C'est pas nécessaire, vraiment. Tout ce qui va t'irriter... Parce que quand tu es irrité, tu n'es pas assez calme pour écouter ce que l'esprit te dit. Donc, too hot, too this and that, c'est pas trop mon dada là-bas. Les champignons, mes viandes, c'est quoi le champignon, le haricot. Voilà. Donc, du coup, après, quand tu fais ça, tu écrases. Généralement, j'écrase de l'ail avec du poivre. Vous connaissez le petit truc qui est comme marron comme ça, comme l'arachide. On casse et on ouvre. Et c'est pas c'est le pépé. Je sais pas si vous connaissez, écrivez le nom ici là. Donc je mets les trois là, j'écrase et je mets généralement ça à la fin de ma cuisson. Je veux pas avec du sel rose. J'aime bien parce que ça m'apporte, ça apporte du goût à la nourriture. Même si vous tenez votre sel dans la main comme ça, vous allez voir ça de l'énergie. Vous allez voir ça de l'énergie. Et la cuisine, Nadine Lise,
J'ai compris. La cuisine, en fait, c'est l'énergie que tu mets dans ce que tu prépares. Ne mangez pas pour vous bourrer. Mangez pour vous connecter. Et apprenez à écouter votre corps. Parce que le corps, c'est le canal par lequel votre esprit et les esprits des anciens, Seigneur, communiquent avec vous et ce monde. C'est le MPBR. Ok. Oui, le sel Himalaya. Oh, j'ai dit que le sel là, j'aime trop. Ne mange pas, va jeter, jette. Tu manges pourquoi? Comme tu as acheté là, va jeter. Moi, je suis tellement radicale. J'ai des périodes de ma vie où, quand je me rappelle quand j'avais découvert la fessée, j'avais jeté toutes mes conserves. J'ai expérimenté les nourritures. Tu prends des champignons, surtout les petits, parce qu'ils ont. J'aime bien les petits champignons. Tu vois les petits champignons, tu les découpes en. Tu fends jusqu'au milieu en deux. Tu mets de l'huile de coco dans la poêle. L'huile de coco, ça donne un goût à la nourriture. L'huile de coco, tu verses des champignons. Tu mets un peu de sel sur les champignons. Tu découpes ton oignon, généralement l'oignon rouge. Tu déposes dessus. La semaine prochaine, on aura cours de cuisine ici, là. J'ai envie de préparer. Tu mets ça dessus. Après, tu prends tes tomates en cerise. Et j'ai bien dit qu'il y a ce niveau et après, il y a le niveau bio. Le bio est une touche plus bonne et plus saine que le normal. Donc, pour vous, là, il faut d'abord que vous vous habituez à manger sain. Donc, habituez-vous d'abord que je dois rester en permanence avec des légumes dans mon frigo. Je dois manger ces légumes chaque jour. Pas que ça reste et après, je jette. Et une fois que vous êtes habitué, un jour, j'ai pris 2 ans. J'ai commencé à tester le bio. J'achète la tomate bio, je mets au frigo. J'achète la tomate normale, je mets au frigo, les deux en même temps. Une semaine plus tard, la tomate bio encore là. C'est un pas gâté. L'autre tomate est déjà fendue, pourrie. La moisissure est venue sur ça. L'avocat. L'ananas. L'ananas bio, quand ça pourrit, ça devient la bière. L'ananas non bio, quand ça pourrit, ça sent très mal. Et ça pourrit très vite. Vous me comprenez? C'est vrai qu'en Europe, manger bio, c'est un autre challenge. Oui, c'est en train de se passer. Tu vas voir quand même Farine, quand tu vas réguler ta nourriture, il y a les nourritures, les nuits où tu ne vas pas dormir. Dès que tu vas te coucher comme ça là, tu vas entendre. Tu vas te réveiller. On va dire que note, écris, écris. J'insiste beaucoup sur la nourriture parce que la nourriture, c'est le moyen par lequel on vous a toujours endormi. Et ils n'ont pas eu besoin de. Il suffit qu'on vous laisse regarder la télé. Oh, les céréales, on va faire comme les blancs. On va manger les céréales. Quand je veux manger les céréales, dans mon centre cette année, les 4 derniers jours, je préparais et les enfants, j'apprenais aux enfants à manger bio. Maman, il fallait venir voir comment j'étais écœurée. L'autre faisait ça. Voici comment je faisais le lait d'arachide. Je fais bouillir des arachides comme si je voulais faire un dolé. J'écrase les arachides dans mon ex. Je verse de l'eau sur ça. Je tamise 2 fois. Je tamise fin là. Tu as une eau qui est blanche. Voilà ton lait d'arachide. Ça peut tenir 4-5 jours au frigo. Quand tu fais tes smoothies, tu peux mettre le lait d'arachide là-dedans. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Vous voyez les muesli? Partez au rayon où il y a les muesli, là, ceux qui sont en Europe. Vous allez voir, je sais que ça, c'est tout des blancs. Vous dites, ah, c'est des blancs, gnagnagna. Laissez-moi vous parler. Tu vas au rayon des muesli. Tu regardes ce qui est. Il y a c'est les flocons d'avoine. Hein. Les flocons d'avoine avec les fruits. C'est ça qu'on appelle muesli. Hein, juste pour votre information. Tu vas regarder ce qui est nature. Bio et nature. Donc,
Parce qu'il y a des maisons qui font, ils ont mis le sucre dessus, il y en a qui ont fait, ils ont caramélisé. Donc c'est plein d'additifs. Prends ce qui est nature, nature. Attendez, quelqu'un m'appelle. Allô? Oui. Oui, votre grande soeur m'a demandé de vous appeler, c'est ça? Ok, je suis en direct. J'ai envoyé ça sur WhatsApp, monsieur. Je vous ai écrit sur WhatsApp. Je suis en train de regarder mes messages comme ça. Oui. Oui, c'est ça. Regardez votre WhatsApp. Regardez à nouveau. D'accord, merci. Vous êtes patient, c'est bien. Ce n'est pas les trucs des blancs. Je suis arrivée chez les blancs. Hein. Je me suis dit un jour que si les gens, si qu'on critique tant, font quelque chose et nous dépassent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris. Donc, tu prends le genre de maison qu'il n'y a rien dedans. Maintenant, à la maison, ce que tu fais, c'est quoi? Ceux qui regardent mes statuts WhatsApp, bon, beaucoup d'entre vous, vous êtes nouveau sur ma page, donc sur WhatsApp, vous ne me suivez pas encore. Ce que je fais, je prends la mangue, je découpe, je mets de la mangue, je mets la pomme de France, je prends les arachides grillés salés, je mets, si vous pouvez, des raisins secs ou des les abricots là, vous découpez en petits petits morceaux. Avec le lait d'arachide ou le lait de soja. Je suis allée ici au supermarché, j'ai acheté le lait de soja. J'ai tourné la face, j'ai regardé ce qu'on a mis derrière. Il y a trop d'additifs et de conservateurs. Il y a même le lait de flocon d'avoine. Le lait d'avoine. Donc tu fais comme tu as vu là. Après, tu mets beaucoup d'eau dedans. Donc tu trempes l'avoine. Tu laisses peut-être toute la nuit. C'est un peu comme les arachides, c'est le même principe que pour les arachides. Après, tu écrases dans le moulinex avec beaucoup d'eau, tu tamises, tu as le lait d'avoine. Donc, quand tu... J'ai lu ce qu'il y avait écrit derrière le truc, j'ai dit que non, je dois fabriquer mon propre lait à la maison. C'est même quoi ça? La noix de coco ne coûte pas cher ici au Cameroun. Tu achètes la noix de coco, tu écrases tout ça là. Tu fais tes laits, tu mets ça là au congélateur même. Quand tu fais tes smoothies, tu fais tes boissons, et tu peux expérimenter même. Tu verses le lait là-dedans. Le problème, c'est qu'on nous a mis dans une mentalité de consommateur, si bien que les choses de base, on se retrouve toujours en train d'acheter même le pain. Le pain est facile à faire. Mais on achète toujours. Donc, moi, j'ai découpé tous ces fruits-là. Je mets un peu de flocons d'avoine dans le bol. Soit je fais l'inverse. Je mets d'abord tous mes fruits. Après, je mets les flocons au-dessus. Et je mets le lait. Et je mets un peu de miel. Donc, imaginez dans un bol, vous découpez les tranches de banane. La banane apporte beaucoup de sucre. Quand généralement, je mettais la banane, je n'avais pas besoin de mettre beaucoup de miel. Donc, tu mets la banane. Quel autre fruit? Souvent aussi, je prenais les oranges, j'enlevais du truc et puis je découpais. Je découpe en plusieurs, je mets là-dedans. Et puis, vous savez que pendant les vacances ici à Douala, là, il y a tous les fruits. Là, dans la saison, là, tu as les mangues, tu as le casse-mango, tu as tout ça. Là. Tu découpes tout ça comme ça, là, tu mets dans ton bol. Imagine si tu prends un bol comme ça le matin. Après, tu mets les flocons d'avoine. L'avoine va t'aider. Pourquoi? Le matin, quand vous mangez, le croissant que vous prenez là, ça ne vous aide pas. Vous comprenez, non? Le croissant que vous prenez là, ça ne vous aide pas. La farine blanche. C'est comme l'illusion. C'est comme si on prenait, on venait devant toi, on faisait ça. Je sais pas ce que je peux vous dire. Je cherche un bon ré, un bon mensonge qu'on peut avoir dit à quelqu'un. C'est comme si on prend un ballon. Le pomper, le ballon là, il y a de l'air dedans. On te donne, on dit que l'air là, c'est de l'eau. Tu vois à distance combien il y a la contenance. Dès que tu perds, il n'y a rien. Oui, Elsa, les dates. Prenez des dattes bio parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font du faux avec les dattes maintenant. Vous prenez des dattes bio.
Souvent, même dans ton snack, au bureau, comme ça, tu peux avoir les dates dans ton tiroir. Quand tu fais ta boîte de snack, tu mets les amandes, les arachides grillés, les dates. Généralement, c'est les trucs que je consomme. Je mets aussi un peu de chocolat noir. 70% là. Des petites choses comme ça. Quand tu restes... Donc, je disais que l'avoine, en fait, l'avoine fait partie de ces choses-là qui vont te permettre... Parce que quand tu manges la farine blanche ou tu manges le riz blanc, c'est vide. Donc, quand tu manges sur le champ, tu es bourré. 2 heures plus tard, tu as l'impression que tu n'as pas mangé. Et ton esprit, en fait, cherche. C'est comme si... Parce que ça, ton corps transforme ça en un excès de sucre. Et quand on te donne beaucoup de sucre, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens hyperactif. Et après, ça tombe. Pff. Oui, les noix de cajou. Les noix de cajou, par contre, c'est très rare ici au Cameroun. Je suis allée au Nigeria, j'avais beaucoup de noix de cajou là-bas. Oui, les dates peuvent être utilisées. Je veux que votre côté, vous voyez ce côté-là qui commence à sortir. Non, je vois, il y a les commentaires là. Même le pistache, comme tu dis là. Vous pouvez mettre ça dans votre boîte là, vous mangez. C'est chez les blancs que j'ai vu les blancs manger ça. Je me suis dit, mais nous, on utilise vraiment ça pour faire la sauce alors qu'eux, ils mangent ça ici. Tu manges. Et il y a des gens parmi vous, vous sautez le repas du matin. Ce n'est pas bien. Manger le matin. Si ce n'est pas que tu jeûnes, tu es en sortant de la maison, tu dois avoir pris quelque chose qui est solide. Ou bien du pain complet, tu prends du pain complet. Vous savez quoi? On va commencer à faire les séances de cuisine. Tu prends une tranche de pain complet, tu mets de l'avocat dessus. Généralement, ce que je fais, si tu as les graines de sésame, tu verses un peu les graines de sésame dessus. Si tu veux, tu peux mettre un peu de miel. Généralement, je mets le miel et je prends encore le citron, je mets au-dessus. Je prends le sel rose, je verse au-dessus. Je prends le basilic et le persil, je mets dessus, je ferme, je mange. Et pour ajouter le crunch, tu peux prendre les arachides salées, tu mets dessus. C'est ouf la nourriture. Vous allez oublier le couscous sauce gombo. Vous allez oublier ça. On va vous dire la sauce gombo. Vous n'avez pas dit le bébé. Ouais, Seigneur. Laissez-moi comme ça. Depuis que j'ai découvert l'impact de la nourriture sur la spiritualité. Oui, la farine crée des maladies. Non, si tu jeûnes le matin, tu ne manges pas. Actuellement, moi, je fais ça. Le matin, je ne mange pas. Mais maintenant, quand tu casses ton jeûne le soir, fais des... Quand tu casses ton jeûne le soir, pardon, ne mange pas des choses trop sucrées. Parce que le jeûne, ça peut être une opportunité pour toi pour arrêter le cube, arrêter le sel, trop de sel dans la nourriture, arrêter. Parce que quand tu jeûnes ton corps, et quand tu fais un jeûne de 3 jours sans manger, là, alors c'est grave. Si tu voulais couper n'importe quelle addiction, quand tu jeûnes 3 jours, en reprenant la nourriture, tu coupes tout ça. Et quand vous jeûnez, ne mangez pas beaucoup. On se rattrape pas. C'est pas... Non. Je peux encore donner même quel petit déjeuner. Tu fais du smoothie de banane. Donc, tu mets la banane dans le truc. Tu verses le lait de coco dessus. Si ça, c'est bien léger. Tu verses dans tes céréales, dans l'avoine. Et tu prends encore peut-être les pépites de noix de coco en poudre là. Tu verses au-dessus. Tu mets les arachides grillés salés. J'aime les arachides grillés salés parce que ça ajoute le sel naturellement à n'importe quoi. Et les arachides, quand même, qui n'aime pas les arachides? Qui n'aime pas les arachides? Donc, ben, tu fais ça comme ça. Tu vas voir que la partie onctueuse de ton smoothie va te permettre de bien manger les céréales. Même au Cameroun, on mange ça. Moi, je vous dis, ne dis pas que c'est tout des blancs. Parce que quand tu jeûnes, il faut que l'esprit te parle dans la nuit. Or, si tu fermes ton jeûne et tu manges beaucoup, ton corps, toute l'attention de ton corps sera sur la nourriture que tu as mangée. Comment digérer la glaire là? Comment faire que ça passe? Comment faire que quand l'esprit va parler, tu ne vas pas entendre?
Oui, quand tu fais 3 jours sans manger, tu peux exorciser n'importe qui. Tu peux même le diable, tu peux l'exorciser. Tu écoutes ce que l'esprit. Parce que votre clé pour augmenter votre spiritualité, c'est que vous écoutez ce que l'esprit dit. Or, quand tu manges des choses qui ne sont pas bien pour toi, allez. J'ai une poche d'arachide que j'ai abandonnée ici. Je pense qu'il est temps de ressusciter pour tes pouvoirs. Ouais, Seigneur. Et vous allez voir que quand vous allez nourrir vos enfants comme ça, beaucoup de vos enfants vont devenir intelligents. Parfois, vos enfants, c'est le sucre que vous leur donnez là. Quand tu manges beaucoup, tu fais des... Mais oui, la spiritualité est liée à la nutrition, c'est lié au physique. Et si tu peux te discipliner dans ta nourriture, tu peux te discipliner pour t'asseoir, pour écrire ton livre. Tu peux te discipliner pour t'asseoir pendant 4 temps, tu étudies. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous aimez seulement qu'on vous entertaine. Vous pouvez seulement regarder comme ça. Si elle donne un devoir à faire, vous n'avez pas fait. Parce qu'il n'y a pas la discipline, il n'y a pas le contrôle. Voilà. Si j'ai parlé, ça vous intéresse. Vous devez vider votre frigo de tout ce que je vous ai dit qui n'est pas bien. Parce qu'il y a aussi un fait avec la nourriture. Tout ce que tu vois devant toi, tu as envie de manger. Soyons honnêtes avec nous. Si à l'heure de manger, il y a une fausse nourriture qui est devant toi, même si tu résistes n'importe comment, tu vas vouloir aller manger ça. Par contre, si à l'heure de manger, il y a le genre de nourriture que normalement, ce n'est même pas ton premier choix. Quand tu vas te lever à 3 heures pour aller au frigo te manger là, tu vas voir seulement le smoothie. Tu vas voir les légumes sauter avec le ceci, cela. Et ton ventre veut manger. Tu vas porter ça, tu vas manger. Le sucre, c'est le glucose. Le sucre, en fait, c'est une drogue inconsciente. Quand tu prends un bonbon, tu mets dans ta bouche, tu es en train de te shooter. Tu prends une dose de glucose. Tu te shootes au glucose. C'est pour ça que souvent, surtout ceux qui sont spirituels, quand vous prenez un truc très sucré, le glucose, vraiment là. Vous sentez comment votre pouvoir, je vais dire, est affecté. Et pas positivement. Tu dis que tu avais l'impression d'entendre le pigeon. Sur le toit d'en face parler. Tu dis que tu es très sensible spirituellement. Il y en a parmi vous que votre corps n'attend que ça. Votre corps n'attend que ça. Vous avez fait ça un jour comme ça là, maman. La nuit du jour là, les voix que tu vas entendre la nuit. Ah! Dès que tu fermes les yeux, ça la poupe. Réveille-toi, tu écris. Dès que je la poupe, tu es hop. Vous allez voir les solutions aux problèmes que ça fait 5 ans que vous essayez de résoudre. Ce n'est pas manger léger, c'est manger sain. Et on doit même carrément nous éduquer par rapport à manger sain là. Ça, c'est aussi une bonne stratégie. Ne pas plus de chocolat, Théo. Non, pas plus de chocolat. Manger ce qui est naturel. Prends les fèves de cacao. Prends le cacao plutôt. C'est bête, tu manges l'autre là. Si tu veux manger le chocolat, prends le cacao plus. Ce qui est un peu amer là. Mange ça. Ce qui est amer ne gâte, t'en tue pas. Vous aimez souvent faire comme si quand quelque chose n'est pas bon dans la bouche, ça va tuer seulement. Ça ne tue pas. Votre corps n'attend que ça. Que tu te décides comme ça là. Je vais vider le frigo. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé à changer vraiment de nutrition, c'est que j'ai dû apprendre comment cuisiner comme ça. Parce que je ne connaissais pas. Du coup, quand je partais au marché, à chaque fois, je me retrouvais en train de faire les mets camerounais. Les mets dont je vous parle là, moi, ce sont les mets connectés, ce sont les mets guidés. Si je nomme mes mets que je fais, ce n'est pas un mets ivoirien ou bien. Non, ce sont des mets des choisis.
Africano, africano, j'ai le même chapeau que ta mère. Même les fruits, il ne faut pas manger trop de fruits. N'habituez pas votre corps à trop de sucre. Pour l'eau, j'ai dit de boire que j'ai d'eau. Répétez-moi ça, écrivez cela. J'ai dit de boire que j'ai d'eau. Certains parmi vous, vous avez les problèmes de genoux, les problèmes de dos. Vous voulez qu'on vous exorcise, vous partez encore manger les mêmes trucs gluants que vous mangez. Voilà, de l'eau chaude. Achetez juste un thermos. Ça, c'est de l'hydrothérapie. Vous vous soignez par l'eau. Essayez ça pendant une semaine. Vous allez voir. De l'eau chaude. Tu fais juste bouillir, tu mets dans un thermos. Ça, c'est celui que j'ai au bureau. Mais vous avez le seul genre de thermos qui n'ont pas ça. Donc, ce genre que tu ouvres ici. Je crois que j'ai même le... J'ai celui que je sors souvent avec là. Oui, c'est là. J'ai aussi ça. Je fais chauffer mon eau le matin, je mets là-dedans. Vous connaissez là le principe, non? Bonsoir, bonsoir. Tu peux bébé de l'eau minérale, bien sûr. C'est ton eau que tu bois, non? Mais c'est chaud. Vous allez voir que les, vos trucs de genoux que vous vous plaignez, j'ai mal au genou, j'ai mal au ceci. Les glaires, le mal de dos, mal d'estomac, digestion difficile. Ça va dissoudre tout ça. Un gingembre quoi, farine. Je vais te gifler, ça va te guérir la gorge. Oyoa. Laisse que ta gorge s'irrite, ça ne va pas te tuer. Bois l'eau chaude. Maman. Un plat avec beaucoup de légumes, mamie, le goût de ça. Tu manges comme ça. Quand tu manges, ton corps est content. Ton corps est content, ton esprit est content. La patate peut-être. Préparez-vous manger avec la peau. Les pommes. Ne préparez pas trop là. Et apprenez aussi à être discipliné. Vous avez commencé, vous avez arrêté, reprenez. Je n'ai pas dit que l'eau chaude traite le mal de dos et le mal de genou. Vous allez maintenant aller dire que j'ai dit que ça traite ça. Testez, vous allez revenir me dire. C'est tout ce que je vous dis. Qu'est-ce que j'en dis? Toi, tu es déjà des personnes douées, mais tu te sabotes toujours. Comme ça qu'on vient, on abuse de toi. C'est pas bien. Ne te sabote plus. Bonsoir la reine Olga. On va se parler. Dieu un jour va faire, parce que vraiment... Moi, à partir de 18h00, de 18h à 21h, je suis bloqué. Et comme toi, tu travailles les nuits, et le matin, j'enseigne. Quand toi, tu rentres, après, tu dors. Donc, je parlais de nutrition. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça peut gâter votre spiritualité. Donc, tu restes là, tu es spirituel, hein? Mais dès que tu manges là, ça te... les trois prochaines heures, tu es KO. Déconnecté comme tout. Oh, dans le spirituel, tu dois être connecté à tout moment. Parce que, il y a l'antenne principale qui te dit que, si ça t'appelle, tu ne décroches pas parce que tu es en train de... Il y a un glaire qui est en train de te déranger. Tu es parti manger un porc quelque part là-bas. Il y avait un tuyau. Tu ne pouvais pas laisser le porc là passer. Du coup, ce sera facile pour toi de dire non à certains rendez-vous des Decepticons. On va t'inviter que oui, il faut venir ici, là.
Non. Non. Je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. Bonne opportunité pour dire non. Parce que parfois tu restes comme ça quand tu as toujours resté à la maison. Un jour ton corps dit que tu as besoin de manger la pizza. Farine blanche, ketchup. Tout ce qu'on vient de dire là. Tu portes ça, tu mets dans ton ventre et ça te plaît. La reine, quand moi, il te parle ma part. Tu n'es pas la seule qui a été guérie de mal de dos. Hein. J'ai une autre aussi. Elle a été guérie comme ça. Il y a une autre qu'on devait opérer. Son opération était annulée. Quand ils disent ouais, mes choses comme ça, vous me regardez, vous dites que la petite fille là dit quoi comme ça. J'ai dit, moi, ça manque comme ça là. Il y en a parmi vous. Il y a une certaine heure où vous toussez seulement, vous revenez avec la toux. Modifiez votre façon de manger. Oui. Là, souvent, oui, tu peux pas faire la diarrhée, ça coupe ton rêve. Ou tu es là toute la nuit, ton ventre fait coulou. Ça chauffe, la poitrine chauffe. Après, tu dis, qui m'a envoyé manger un petit là? C'était quoi ce plaisir d'une minute là? Qui me prend les 24 prochaines heures de ma vie? Moi, je viens vous donner les astuces. Si vous ne voulez pas faire, vous n'allez pas vous connecter, vous allez zapper vos rêves. Après, vous allez commencer à encore venir me dire que oh, quand je me lève, je me lève, j'oublie mes rêves. Tu as mangé quoi hier? Oui, le ndolé avec quoi? L'huile dedans jusqu'à quoi d'autre? Reconnaissez-vous, non? Il y a même les gens, les nourritures qu'on vend en route là, évitez au maximum. Il y en a qui ne peuvent pas dans l'insalubrité. Et ça se dit même comme ça. Et nous, tu qu'on va à 500 euros là, je ne sais même pas trop quoi. Quand une nourriture a été faite avec le soin frais, tu sens l'énergie de la nourriture. La prochaine fois que vous allez penser à aller manger, pensez que je vais nourrir mon temple. Donc je ne devrais pas apporter n'importe quoi. Si je mets quelque chose qui n'est pas bien dans mon temple, votre revenu financier dépend de ce que vous mangez. Vous me comprenez? Même le fait que vous allez croire à ce que j'ai dit ou pas, ça dépend de ce que vous mangez. Quand je parle, vous allez manger un bon couscous avec le cuit et les légumes, avec l'huile sur ça, comme ça, quand tu appuies, comme ça sortait que. Moi, avec le foufou nanjo. Le koumkoum nanjo. Voilà. Koumkoum nanjo. C'est ça que vous. C'est le koukounanjo que vous allez manger. Quand elle parle comme ça, votre tête tourne, elle dit même quoi comme ça. Tu as couché en position pour dormir. 2 heures, tu vas tousser, tu vas te réveiller. Réveillez-vous. Vous allez vous reconnaître. Ouais. En tout cas, si vous êtes exposé, c'est votre esprit qui vous a convaincu, ce n'est pas moi. Tu es parti quelque part, on avait fait deux nourritures, tu as mangé, tu as mangé. Ah ah. Un roi n'est pas esclave de nourriture. Merci Laetitia. Un roi, non, tu ne paniques pas devant la nourriture. Vous me paniquez. Et je choisissais toujours le fait maison. Au maximum. Je sais que vous avez les réseaux sociaux, les enfants se disent que. Et apprenez ça à vos enfants. Ma fille, quand elle vous dit aujourd'hui, elle connaît tous les repas là, elle connaît préparer. Quand ma fille vient ici là chez moi le week-end,
Elle se met là-bas, elle prend, elle met, elle connaît comment découper les choses. Elle met le persil sur ça. Elle met le basilic. Elle prend la tomate, elle découpe, elle met sur le pain complet. Elle met l'avocat au-dessus. Elle vient, elle me donne. Parce qu'elle connaît déjà quelqu'un ici chez ma mère là. Non. Si elle vient le pain blanc, je ne passe même pas avec. Le jus gazeux là, non. L'eau glacée, non. On peut se soigner. On peut se soigner avec sa nourriture. Le coq avec toi, alors tout gâté, t'as gagné. Je mangeais le coq. Tu pouvais tout me refuser. Le coq. Mince. Avec l'huile au-dessus comme ça là. Tu prends le manioc, tu prends ça là-dessus. Tu pousses comme ça là, l'huile te regarde, ça teinte un peu le manioc là. Dès qu'elle mangeait là, je mangeais le coq là, ma journée a fini. Mais je me couche seulement et dors. Voyez-vous-même l'effet. Et vous savez, le haricot, j'ai des façons de préparer le haricot. Je finis de manger le haricot, je viens, je travaille. Et il y a des personnes que quand vous préparez le haricot, l'huile qui est dedans, dès que tu manges le jazz là, tu passes seulement te coucher, tu dors. Oh, gars, tu ris. Ouais. Non, il y a des gens que si l'eau n'est pas glacée, c'est que ça ne donne pas. Eau glacée. On met qu'au congélateur. On sort du congélateur comme ça. On. Yay. Tu entends, tu vas m'entendre le. Tu entends l'odeur. Ouais. Poisson, saumon, maquereau. Avant, je voyais les blancs, ils vendent du saumon, du ceci. Je regardais, je disais, c'est quoi ça? Oh là là. Pilé plantain, haricot. Maman, je peux manger, je prends le pilé plantain, je mets ça comme complément. Je mets un cinquième de ma nourriture sur le pilé. Quatre cinquièmes, c'est les légumes. Mais là, vraiment, c'est de justesse parce que j'étouffe totalement ça. Imagine un peu, pour faire frire le saumon, tu n'as pas besoin de 5 minutes. Tu fais ça, tu mets un peu de citron dessus. Tu vois, déjà fini là, non? Hey! On est arrivé chez les Blancs, on pensait que les Blancs étaient fous. On a commencé à manger la nourriture des Blancs, on a trouvé que non. C'est léger. C'est pour ça que tu vois, les Blancs ont la même maladie. Tu arrives à l'hôpital, fibrome. C'est seulement tous les noms qui ont le feu. C'est quoi ça? Ce que vous mangez aussi. Et c'est comme ça que l'ennemi faisait pour prendre nos parents avant. Il y en a parmi vous, vous avez perdu vos mères très tôt parce que maman, elle ne mangeait pas vraiment les trucs bien. Elle a eu le diabète très tôt, on n'a pas bien soigné. Elle est morte. Alors que si elle savait s'alimenter. Pareil pour vous. Maintenant, vous êtes la mère de quelqu'un. Vous êtes le père de quelqu'un. Préservez-vous pour cet enfant. Dans 20 ans, l'enfant aura besoin de vous. Et le four, privilégiez le four. Parfois, tu peux découper le plantain, tu fais au four. Au lieu de faire frire dans l'huile. L'huile de coco, essayez vraiment l'huile de coco. Parce que l'huile de coco apporte un goût particulier à la nourriture. Et que il faut avoir une petite pierre écrasée. Moi, en tout cas, moi, j'ai une petite pierre écrasée. Chaque fois que je fais un repas, j'aime écraser l'ail frais. Genre, j'aime le goût de ça quand il est écrasé. Vous savez, le poivre, poivre blanc. Si vous avez besoin de poivre blanc, il faut, faites-moi signe. Quand on va venir à Paris la semaine, quand il va aller la semaine prochaine.
redécouvrez, refaites-vous plaisir avec la nourriture. Éveillez vos sens à nouveau. Tu vas voir que tu vas souvent manger, ce sera tellement bien que quand le gars là va t'appeler, que viens, on fait l'amour. Tu vas dire que j'ai à moi été, je suis bien ce soir. Hein. Je suis allé faire un bon massage tout à l'heure. J'ai mangé une bonne nourriture. Vraiment, on peut se voir la semaine prochaine, vendredi? Je dis, mais chérie, on est vendredi ou on est lundi? Comment tu me remets encore vendredi la semaine prochaine? On est lundi. Parce que tu arrives à te discipliner, tu arrives à te contrôler. Si tu peux contrôler ta nourriture, tu peux contrôler ta vie. Si tu peux contrôler tes pulsions sur la nourriture. Et de bien choisir. Vous pouvez arriver au restaurant, vous donner un petit de 10 000 à quelqu'un, ou 20 000 ou 15 000. Mais allez prendre les 20 000 là et allez faire un bon shopping qui vous fait manger sain. Tout ça va ensemble. Voilà, ça présent c'est le soir. Si tu as faim, il est 21h15. Si tu as faim, tu vas encore manger un petit truc. Tu pars rapidement, tu prends deux branches de céleri, tu mets dans le truc, dans le mixeur. Tu prends 3, 4, 5 carottes, tu fais un petit jus. Soit tu fais le jus, soit tu fais le smoothie. Tu bois ça, ça te remplit le ventre. Foco, on dit que tu ne vieillis pas, ça te dérange. Parce que moi, je ne connais pas quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui dit qu'il ne vieillit pas, ça le dérange, non. Bifaka, pardon, sois avec tes nourritures. Le tarot a sa place. Mais en même temps, c'est le complément qui vient avec le tarot. Tu vois le nombre de viande que tu manges avec le tarot là. Enlève le tarot, le poids de ta nourriture, farine. Et c'est que ça fait mal. Elle a mal au cœur là maintenant. Il y a beaucoup d'animaux. Quand vous mangez un animal, c'est son énergie. Parce que la cuisson là n'enlève pas toute l'énergie de l'animal. Ceux qui ont déjà fait peut-être 1, 2, 3 mois sans manger vraiment de la chair. Quand vous, le jour où vous mangez, la semaine là, vous avez fait beaucoup, vous avez très mal dormi, vous avez fait des cauchemars. Tu vas voir comment le porc a crié pour qu'on ne le tue pas. Il faisait oui, oui, tu vas voir ça. Tu vas voir ça dans ton rêve. Ah, Seigneur. Aïe. Tu veux manger le chien, mange alors. Le tout, c'est que la spiritualité, on ne te force pas. Le bon, c'est que beaucoup d'entre vous venez, oui, j'ai fait comment pour ouvrir mes dons. J'ai fait comment, j'ai fait comment. Quand on va te dire que va manger ça comme ça, tu vas dire non, pardon. Vos enfants peuvent être habitués. Je vais vous mentir. Si vos enfants sont un peu bêtes à l'école, mettez-les sur un régime où ils mangent bien et sain. Quand l'enfant mange, imagine ce que ça te fait quand tu manges la viande du porc ou du poulet, n'importe comment là. Ça fait l'enfant à l'école, il sait qu'il doit étudier, il n'étudie pas. Il n'est pas discipliné. Je vous parle de la viande, vous ne faites que me nommer les animaux. Je ne vois pas le poisson parmi tout ça. Certains vous plaignez de vos enfants. Aidez-les en mettant une bonne nourriture devant eux. Certains, votre amour est plein de sucreries. Tu achètes avec ton argent, non? C'est mon argent qui achète mon enfant. Si tu penses que ta mère te traite mal,
Quand, si tu as ton argent, va acheter. Est-ce que vous laissez dominer par vos enfants? Je ne vous comprends même pas. C'est ta maison ou c'est la maison de ton enfant? Qui connaît ce qui est bien pour ton enfant? C'est toi ou c'est l'enfant? Fais-le asseoir, tu lui parles. Voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà, je voudrais qu'on commence à manger comme ça. Et même si on dit qu'on aime le poisson maintenant, on va voir la forme sous laquelle on prépare. La forme. C'est comme les transfusions sanguines, non? On te transfère le sang de quelqu'un, tu es en train de prendre son âme en toi. Soyez juste sage. Si on vous a dit que c'est la tradition chez vous, que vous devez manger, allez manger. Le poisson braisé, le piment de Sadapo. Et le poisson braisé n'est jamais accompagné de légumes ou quelque chose comme ça. C'est généralement avec les bâtons de manioc durs. Pépé soupe. Toi-même, tu as déjà dit le pépé soupe. Pourquoi tu veux te chauffer le ventre? C'est que vous, hein, on va dire quelque chose 10 fois. Vous allez encore venir 10 fois demander la même chose. Voilà encore bifaka, je ne te réponds pas. Malka Yanda, vous avez des questions que... Pardon, répondez-les, moi je ne réponds pas. Comment ton âme peut être physique? Ferme tes yeux. Celui qui parle dans ta tête là, c'est le vrai toi. Le corps, c'est que tu vois quand tu regardes le miroir là, ça c'est pas toi. Bon, j'ai fini avec vous. Ça, ce n'était que le début. C'est maintenant que je comprends combien ce sujet est demandé. La Bible dit par contre que l'âme de la chair se trouve dans le sang. L'âme de ta chair est dans ton sang. Ça peut donner un exemple, un indice. Frère, ça dépend pourquoi tu veux m'appeler. Parce que généralement, je prends les consultations. Mais j'ai dit hier, ce matin je pense, j'ai décidé ce matin d'arrêter les consultations. Donc si quelqu'un vient, il faut qu'il sache ce qu'il veut, comme ça on travaille une fois. Pardon. La formation pour les choisis. Formation spirituelle pour les choisis. On va commencer le 20 octobre. Il faut que vous appreniez à utiliser vos dons. Vous qui parlez avec les morts là. Vous qui voyez, vous arrivez chez quelqu'un, vous pouvez voir les choses, tous ces trucs-là. Et parfois, il n'y a personne autour de vous pour vous faire comprendre ce qui vous arrive. Donc, je vais créer un environnement qui va vous permettre de développer cela. Bon, j'ai terminé.
On se parlera. Pour la formation, vous me... c'est inbox. Cette formation va durer 6 semaines. Ce sera 350 000 francs CFA par personne. Vous m'avez suivi, non? Ça se passera à distance. Physiquement, non. À distance. 6 semaines. Actuellement, je suis en pleine. On a commencé une formation qu'on est en train de faire. Transformer ses talents en argent. Bifakarité de manière. Je vous ai dit que tournez, non. Tournez. Quand le temps de consultation va passer, c'est là que vous allez dire que. Oh, je vais me consulter. Yeah. Les Decepticons qui passent seulement sur ma page souvent là. Prenez votre appel au sérieux. L'affaire là, c'est pas la blague. Tu as au moins 5 de tes ancêtres qui veulent pas t'utiliser. Tu es là, tu blagues chaque jour. On parle, tu es là, ça m'a dit je maîtrise. Tu sors, tu vas. On ferme là, tu vas partir manger le coq. Tu vas aller coucher avec un Decepticon. Tu vas te réveiller le matin, tu vas dire que qu'est-ce que tu essayais de me dire? Grand-mère, tu disais quoi? L'affaire là, c'est pas. Imaginez réellement que votre grand-mère est dans l'au-delà. Qu'il y a des choses qu'elle veut que vous fassiez ici. Et vous êtes en train de vous amuser. Vous passez le temps en entendant mes directs comme ça là, vous faites genre, ouais, ouais. Vous partez. Passez seulement. Moi, je supprime maintenant les gens de ma page. Je vous enlève, moi. Parce qu'il y a une blague, pas moi. Maîtrisez, non? Ne faites pas. Quand vous allez mourir, vous serez bloqué. Parce que la personne à qui vous allez parler ne va pas faire. C'est là que vous allez comprendre. Et vous allez devoir attendre que son enfant grandisse. Pour voir s'il va accepter. Ils ne peuvent que utiliser quelqu'un qui est sensible. Souvent, tu arrives à un deuil comme ça, là, tu sens seulement comme ça, là, donc tu sens le mort. C'est comme si tu le connaissais. À un moment, tu entends comme s'il veut même parler, il est en train de te parler même. Là, ce n'est que les 2% de vos pouvoirs. Il y a encore plein comme ça. Oui, quand je rêve, ça se réalise. Hein? Tu as déjà vu alors quoi depuis? Tu as déjà fait quoi? Les gens ont confirmé. Comme tu as les rêves prémonitoires là. Parce que tout ce que vous expliquez dans la nourriture ici là, c'est censé vous conditionner. Mais faire que votre corps soit un conducteur. Demain, telle personne va faire l'accident. Il faut qu'on puisse te trouver la nuit pour te dire. On sait que là, voilà, il y a les enfants de tel là-bas, ils sont abandonnés, ils sont. Il faut qu'on te trouve la nuit pour te dire. Pour que tu te lèves. C'était parmi vous, les tombeaux de vos parents sont abandonnés au village là-bas depuis 10 ans. Ils cherchent parmi vous, vos frères et soeurs. On va parler à qui? Qui vient arranger même notre tombeau au village? On ne peut pas, parce que dès qu'ils arrivent, ils essaient un peu de venir comme ça pour vous parler. Tac! Tu as un Decepticon, vous dormez. J'ai déjà rêvé, j'ai vu ma mère dans mon rêve cette nuit. Je ne me rappelle pas de ce qu'elle me disait. Vous riez avec la spiritualité. Souvent les gens me voient, ils disent que waouh, une belle fille comme toi. Regarde comment tu m'as. Je leur dis que, écoutez,
J'ai tourné. Si vous voyez une jeune fille comme moi là, vous voyez mon visage, je suis pas laide. Vous voyez, marche avec le chapeau aussi là. Je mets ça. Je passe partout. Je marche partout en ville comme ça là. Ce n'est pas parce que je suis trop. Non, ça, ce n'est pas la mode. Quand tu acceptes, ils savent que si on a besoin de quelque chose, on peut venir le voir ou la voir. Supposons que je n'avais pas accepté. C'est que je suis ici. C'est que maintenant, je suis. Ça, c'est vendredi soir. C'est que je suis à quelque part avant Decepticon. On a un restaurant en train de manger. Mais voilà, ici, depuis 1 heure, je suis en train de vous parler. Prenez l'affaire au sérieux. Prenez l'affaire au sérieux. Et dans le monde spirituel, parfois il faut juste faire un petit truc pour que ça débloque la situation de quelqu'un. Parfois il faut un petit truc, on dit même que pas à tel endroit tu fais ça. Achète les biscuits, tu pars là-bas de nos enfants. Ça va ouvrir le chemin de la femme là pour qu'elle accouche. Achète les serviettes, tu parles de nos femmes qui ont accouché à l'hôpital là. Pas faire le don dans l'hôpital là. Tu vas voir dans un an, elle aura accouché. Si tu n'étais pas disponible, ils allaient parler à qui? Blague avec l'affaire de choisir là. Ne vois pas seulement parce que chaque soir on vient ici, on parle, on rit un peu. C'est la responsabilité. Non, écoutez, j'ai le courage. Avant que vous ne veniez me dire bon, du courage là, j'avais le courage. Merci vraiment, merci pour vos prières. J'ai le courage. Courage, non. C'est que j'ai des contextes spirituels dans lesquels je me suis souvent retrouvée. Et la vie de la personne qui était devant moi en dépendait. C'est pour ça qu'il comprend que. Supposons que tu dors. La nuit là, tu as bien mangé, donc ton corps est bien libre. J'entends te dire, appelle telle personne, tu lui dis de ne pas voyager. Tu te réveilles. Ton Decepticon là, depuis 6 mois, tu sais que tu vas le quitter. Mais comme tu dis que tu maîtrises, dès que tu te tournes, il dit, oh bébé, c'est bien comme tu es réveillé. Allez, on fait l'amour. Tu crois qu'à la fin là, tu vas te rappeler du message qu'on t'a donné. Le soir, tu apprends que la personne là est morte. Dès que tu apprends qu'il est mort, tu dis, oh, j'ai rêvé. On m'a dit de lui, tu n'es pas parti. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Bon. On a terminé.
Ce ne sont pas tous les choisis qui sont bons pour vous. Tu peux être un choisi, tu as tourné pendant 6 ans. Tu décides finalement que je vais accepter mon appel. J'accepte maintenant. Tu tombes sur un autre choisi, mais pour l'instant, il aime bien boire avec ses amis. Et c'est dans 10 ans qu'il va se réveiller. Toi, c'est ton moment maintenant. Pour l'instant, tu es choisi, lui, les Decepticons. Comment d'aller? Vous avez suivi le cours de ce que je dis, non? C'est ton temps. Ce n'est pas encore son temps. Qui ne t'influence pas pour que tu attends de son temps? Parce que son temps n'est pas ton temps. Chacun a son temps. C'est comme ça que beaucoup de choisis échouent. Leur mission. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà. Tu connaissais ce que tu dois faire dans la vie. Hein? On dit on t'emboîte avec des mots comme ça là. Tu as seulement tes yeux pour pleurer. Et il y a des choisis que l'énergie est tellement forte que quand il commence à te tirer dans sa part, tu vas dire, je n'avais plus de vie, je ne pensais qu'à lui. Tu vas penser à lui jusqu'à ta part va venir. Le bébé, tu as fini. On a dit, tu as fini. Non, je vais finir mes amis, c'est là, 2 heures. Te voilà debout à 2 heures. Parfois, tu regardes même mes vidéos en attendant, hein. Dès qu'il vient te vide de tout ce que tu as entendu dans mes vidéos là, ça part. Riez, vous faites. Soit, dès que tu viens m'écouter, tu poses le téléphone, tu l'appelles. Oui, je vais te donner le rapport de ce qu'on a dit dans la vidéo aujourd'hui. Oui, oh, arrête. S'il veut regarder mes vidéos, laissez-le regarder lui-même. Tu n'es pas de résumeuse ou résumeur. C'est pour ça qu'on fait pour vous prendre. Je vais essayer de le convertir. Tu sais, il a le talent, il a le potentiel. Non, c'est un Decepticon. Oui, le bébé. Pas, riez comme ça, non. Quand vous allez arrêter, le bébé vous attend, non. Ouais. La sauce gombo. Que vous avez... Ouais, écoutez mes vidéos, non? Maîtrisez. Avant que tu te lances pour faire ta chose, ta vie, jusqu'à ce que tu dis que non, mais donc là, je dois découvrir ce qu'il peut faire. Tu vas rencontrer toutes sortes de Decepticons. Ouais, je veux pas qu'on couche avant le mariage. Non, il n'y a pas de souci. Tes conditions sont les miennes. Tu sais que je t'aime, non? Riez. Dès qu'elle veut couper le direct, si vous allez l'écrire, non? Vous avez écrit, non? Vous avez fait CC. Coucou. On connaît vos messages. Tu check. 2 minutes, puis check. Il n'a pas encore lu. Pourtant, il est en ligne. Qu'est-ce qu'il fait? 2 minutes encore, tu check. Lu. Tu attends qu'il écrive pour te répondre. Oh, okay.
va chez déceptique. Quelqu'un m'a dit que, je dis que vous allez connaître le mot décepticon maintenant. Une femme, j'ai pas la mine dans mon pied. Quand elle prononçait décepticon, tu pouvais rire jusqu'à. Ouais. Attendez, je vais vous attraper. Quand ils vont vous commenter, je vous connais déjà. Déjà que quand le bébé va écrire, là, tu vas répondre après 2 minutes. 30 secondes, tu as vu. Tu as répondu. Et quand ton énergie s'élève souvent comme ça, c'est là que il va te. Dans le déjà le décepticon là, tu sais que j'avais barré tout le monde, mais lui là, il suffit seulement qu'il m'appelle. Même si je suis en relation avec quelqu'un, je vais laisser cela pour aller le voir là où il me demande de venir. Tu vois celui là que pour que tu quittes, pour que tu quittes derrière toi, il a fallu l'onction, la délivrance. Comme ton énergie s'est élevée là, il te trouve sur Instagram, tu l'as bloqué partout. Il te trouve, tu as oublié que tu l'as bloqué, tu ne l'as pas bloqué sur Instagram. C'est là-bas qu'il t'écrit. Est-ce qu'il a vu ton statut, tu as posté ton statut. Alors qu'il a sa femme et ses 3 enfants. Hein. Donc, il sait qu'il ne va nulle part avec toi. Maintenant, il faut qu'il t'empêche de partir là où tu es en train de partir. Ça fait 7 ans, hein. Mais il suffit qu'il t'appelle aujourd'hui, là. Tout ce qu'il dit sur les choisis, là, tu vas oublier ça. Laissez. Vous allez oublier. Vous n'avez même passé sur ma chaîne pendant même une semaine. Reconnaissez, vous ne commentez pas, secouez seulement la tête comme ça. Secouez seulement la tête. Parfois, c'est même les baby daddy. Ha! Quand vous avez l'enfant là, tu n'es pas sa deuxième femme, hein? Il ne t'a pas épousé. Tu vis chez toi avec ton enfant. Quand il y a un homme dans ta vie, vous avez des problèmes. Quand il sait que tu es single, les problèmes sont finis. Les mères de beaucoup de... Checkez comment vous, les pères de vos enfants se comportent avec vous. Dès qu'il sait que tu as un homme dans ta vie, vous devenez ennemi. Donc, quand il te parle pour l'enfant comme ça, hein, tu m'envoies l'enfant quand hein? Pour la rentrée, il faut que tu l'appelles. C'est 5 jours après la rentrée qu'il va t'envoyer l'argent pour l'enfant. Il veut que tu parles. Après, quand tu parles, même trop, il dit que ton gars, là, ton homme, là, il fait même quoi dans ta vie? Riez seulement, pardon. Tu joues dans l'espoir de ton village. Ouais. Quand tu es choisi, tu as les dramas dans ta vie. Tu as les situations. Il y a les dramas. Quand le chapitre 50 arrive. Et dans tout ça, tu dois tout garder ta tête sur ce que tu as fait. Sur tes dons. Il faut que je développe mes dons. Il faut que j'apprenne à lire. Il faut que j'apprenne à voir. Il faut que j'apprenne à ceci. Un choisi ne doit pas ignorer sa situation. Mais en dépit de ta situation, tu dois être fort.
Le diable ne connaît pas ton avenir. Le seul problème, c'est que tu ne te connais pas. Quand tu te lèves le matin, tu décides de manger le couscous. Au lieu d'aller manger peut-être le pain. Je crois que c'est le diable qui a choisi ça. Vous avez 100% d'influence sur votre vie. Quand tu prends totalement la responsabilité de ta vie, tu dis, ouais, c'est parce que lui, ouais, tu vois, le père de ma fille m'avait retenu pendant tel nombre d'années, c'est pour ça que je n'ai rien fait depuis. Ouais, rien. Non, non, moi-même, j'aimais la nourriture à une époque, j'ai beaucoup mangé, j'ai grossi. Oui. À un moment, oui, je sortais trop, je partais trop en boîte de nuit. C'est pour ça que j'ai eu 4 enfants avec 4 pères différents. Oui. Reconnais ta part. Je suis parti à l'église, on m'a dit de donner ma vie à Jésus, j'ai refusé. Parce que c'était trop bon, je sortais avec un gars, quand il faisait ça, c'était trop bon. Je ne pouvais pas le laisser poursuivre Jésus. Toi-même, tu connais que l'autre, cela, c'était moi. Quand tu racontes comme ça, tu te dis, mais maintenant, j'ai choisi d'être ici. Donc, quand il péchait là, j'avais choisi. Maintenant que je suis quitté de ça, je suis venu ici. J'ai choisi. Oui. Wow, je maîtrise. Je vous en saisis chaque jour que vous maîtrisez. Chaque jour. Vous maîtrisez. Votre vie est ce que vous l'appelez. Tu dis que c'est down, c'est down. Tu dis c'est up, c'est up. Donc il n'y a pas la place du diable sur ça. Africano, africano. Tu es spirituel, mais tu n'aimes pas aller profondément dans la spiritualité. Tu es spirituel. Tu peux m'enseigner à quelqu'un. Mais you stay advert, you know. You know, you're not gonna jump, but you're just gonna be on the edge. Un conseil, saute. La cigale ne peut devenir le feu que si elle saute dans le feu. Elle peut longtemps examiner le feu de loin. La différence, c'est que dès qu'elle saute dans le feu, c'est fini. Elle ne peut plus devenir cigale. Elle devient feu. Ça, c'est très profond ce qu'elle vient vous dire là. Africain, on n'est pas bête. Écoutez bien. Moi, je vous lis, vous tous ici, je vous connais. Tu as mis un nom. Ce qui fait que tu ne veux même pas qu'on t'identifie. Et vous tous, c'est cela que... je vous lis. Moi, fait parce qu'il vient ici, les souvent. Il fait parler de mes yeux. Quand il me place ici, là, c'est parce qu'il y a des destinées qui doivent être changées. Et ce n'est pas seulement moi. Tous vos ancêtres sont ici. Vos ancêtres, ils sont ici avec moi. Donc, quand vous êtes là, vous m'écoutez, là, vous... Parfois, il reste comme ça, là. Et ça, non, dis plutôt que ça. Parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin de ça. Ça va sortir, ça va t'aider. Donc, même parmi vous, ceux qui n'ont pas besoin de mon message, quand vous commentez, je sais. Parfois, quand ça me dérange, je te bloque, ça ne m'entend pas. Surtout si ça embête ce que je suis venu faire ici. Vous êtes protégé. Vous êtes supporté. À tout moment. Même si papa et maman ne sont plus là vivants. De là où ils sont encore plus forts. Jésus a dit dans la Bible que si je pars, c'est encore mieux pour vous. Parce que quand je suis sur la terre, je suis ici à un seul endroit. Quand je pars, je suis dans l'esprit.
Je peux aller en Vomeka. Je peux à Toronto. Je vais à New York. Je reviens ici là. Il y a aussi beaucoup parmi vous, vous faites semblant. Certains vont regarder, vous dites que qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre. Mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes toujours ici chaque soir. Vous tournez, vous revenez encore. Je ne sais pas pourquoi vous revenez. Vous êtes où là? Ceux parmi vous qui sont en train de prendre les choses que je dis là au sérieux, ça se verra dans votre. Ça, les mois qui arrivent, ça se saura. Hein. Je suis en train de vous parler de Bebeb. C'est pas. Vous connaissez. Vous savez. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'hypocrites. Des hypocrites. Vous n'êtes pas vrai. Quand je vois vos commentaires, je peux sentir toute votre énergie là-dedans. Il y a des gens qui vont que quand vous dites seulement bonsoir, si vous avez écrit BSR là, je peux y sentir ça là-dedans. En fait pas. Parfois j'ai des décepticons. Ils sont très nombreux aujourd'hui ce soir. Ce soir, il y a vraiment beaucoup. Mais vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas. You cannot. I tell you. Si je venais ici là parce que c'était, je voulais venir faire la belle, ce serait différent. Si je venais ici parce que je voulais mentir aux gens, ce serait différent. Observez, quand quelqu'un est oint de Dieu, l'onction de Dieu, c'est l'approbation divine. L'approbation vient avec la protection, l'approvisionnement et la direction. Certains parmi vous, vous avez ça, mais vous faites toujours comme ça là. D'autres, vous avez refusé depuis longtemps. Lydie qui dit, si tu ne peux pas faire, ne me dis pas que mes moyens ne me permettent pas. Je n'aime pas entendre la pauvreté ici, s'il te plaît, tu as compris. Je n'aime pas entendre, je dis que je n'aime pas, je n'aime pas. Quand avant ça, ça fait mal à mes yeux. Tu as compris. Si tu n'as pas à croire que la prochaine session, si c'est en décembre, je, par la grâce de Dieu, je pourrai. Il y a des formations que je fais aussi pour limiter, pour que ce n'est pas n'importe qui entre. Parce qu'on ne donne pas les perles à n'importe qui. Et en a, ils vous font encore peut-être 5 ans de mes directs. Pour qu'il y ait le déclic. Vous vous décidez que j'ai à construire mes maisons, j'ai à faire ceci. Donc tout l'argent est venu, vous avez fait autre chose avec elle. Vous n'avez pas pensé qu'il faut que je développe mes dons. Parce que ce n'était pas une priorité pour vous. Donc, ne vous voyez pas la face. Ne vous trompez pas. Quand je m'énerve, l'esprit qui est en toi te dit. Pardon, définissez Decepticon pour Ghislaine Fongan.
Les choisis sont intelligents. Hein. Ils sont rusés, ils sont futés. Si tu écoutes, je parle, je mets un de ces secondes dans une phrase, tu peux connaître le sens sans que je ne t'explique. Exemple. Tu sais que tu as ta mission de vie à accomplir. Et tu laisses sous le décepticon là, que tu sais que tu dois quitter depuis 6 mois. Parce que tu t'es dit, ouais, si je le quitte, tu vas faire payer mon loyer. Tu retombes encore dedans. À ton avis, de ce que je viens de dire, définition de décepticon, c'est quoi? Les choisis sont très sharp. Le choisi arrive quelque part comme ça là. Il lance un coup d'œil comme ça. Zzz, il a scanné toute la zone. Il connaît comment ça fonctionne. Tu arrives, tu as les colocataires. Vous faites 2 semaines, tu connais préparer la nourriture. Le choisi est vif. Le choisi est vif. Par là, tu poses la même question 5 fois. Parce que vous ne savez pas ce que ça coûte. You don't know what it costs. Oh ma reine, je veux accomplir ma mission de vie. Je veux découvrir mes talents. Oh, yeah. Tu es sûr? Oui ma reine. Oui. I want to find out. Oh. Il y a encore qui. Quel est le décepticon qu'il y a dans ta vie actuellement là? Souvent quand on me parle comme ça, je vois. Il demande que. C'est qui? Oui, oh, tu sais, on parle seulement, tu sais. Il est encore payé, je veux le faire venir, tu vois. Mais vous parlez 3 heures par jour. Tu m'écoutes 30 minutes par jour. Tu parles avec lui 3 heures par jour. À ton avis, qui va influencer tes idées? Bifaka, il y aura des jours, je vais te supprimer d'ici. Moi, il n'est pas moi, il n'y a pas le problème. Je vais te supprimer, moi. Je n'aimais pas le cœur sur vous. Je n'aimais pas le cœur. Parce que vous-même, vous voyez, un jour, on se m'enlève sur votre jour, vos pages que vous aimez. Moi, elle a dit que souriez, souriez. Toi-même, tu as souri depuis. Quand elle me fâche, elle me fâche. Je vais rire, je ris. Parfois, on n'aime pas quand on vous dit la vérité. Mais la vérité est bien. Beaucoup de personnes prétendent trop. Bifaka, tu n'as rien fait. Quand ça va, maman, vous dit cela, non. Je vous dis, moi, une fois. Une fille m'appelle hier. Elle me dit. Elle me dit quoi? Oui, elle me dit que j'ai prié pour toi. Je t'ai envoyé le message. Tu ne m'as pas répondu. Je suis fâchée. J'ai dit, mamie, n'aimez pas le cœur. J'ai interagi au moins avec 50 personnes. Minimum chaque jour. Si tu vas seulement te fâcher sur moi là comme ça là mamie. Quand elle finit avec toi comme ça là, j'étais moi tout dire. Ce qui fait que je te dis ce que je vois dans mon esprit. Et qui tu ça? Donc ne crois pas qu'elle finit comme ça, encore aller dire non, non, non. Mon esprit est trop précieux, je peux pas. L'espace dans ma tête est trop précieux pour que je laisse quelqu'un là-bas. Le loyer dans ma tête est cher. Cher, même le mailbox, en Angleterre, il y a le mailbox. Quand tu as un magasin au mailbox là-bas, c'est que tu as un bobo jusqu'à... Le loyer chez moi, c'est même plus cher que dans le mailbox.
Nia et Léonore, le Decepticon ne t'a pas mis la tête, il ne t'a pas mis l'arme sur la tête pour que tu acceptes. Le Decepticon, c'est celui que toi-même, pour te satisfaire tes propres désirs, tu pars, tu acceptes ce qu'il te propose. Écoute bien, hein, tes propres désirs. Quand il dit comme ça, là, du coup, tu ne le détestes plus, non. Ah, donc ce n'était pas sa faute. Ce n'est pas la faute du Decepticon. C'est ta faute à toi. Ça vous énerve, non? On détestait déjà bien les Decepticons, ma reine. Comment tu peux dire ça? Il peut t'appeler ce soir. Allô, le bébé? Oui, le bébé. Il y a l'autre qu'on dit que Majumboum. Ça veut dire quoi, même, le Majumboum, là? Ok. Il dit que je peux passer te chercher tout à l'heure. Tu dis, oh non! Tu sais, je suis un peu fatiguée. Parce que tu attends qu'ils disent que. Viens, non, je vais, non, non, allez, on va seulement sortir une minute. Je dis, non, on n'insiste pas. Il dit, allez, chérie, je passe te chercher dans 30 minutes. Je dis, ouh. Et quand tu as t'apprêter, tu mets le genre de string là. Quand tu sais que quand tu vas t'asseoir, il va venir pour te pousser ta chaise, il va voir ton string. Ça va mettre les idées dans sa tête. Je vais vous dire les choses. À qui la faute? Au Decepticon ou à toi qui as accepté? Je vais attendre vos commentaires sur d'autres signes. Vous connaissez vos parfums, vos parfums qui le là? C'est le soir là que tu vas mettre le Dior, j'adore. Tu avais à préméditer. Je vais vous descendre. Ouais, Jocelyne, vous allez me dire de partir. Je vais vous descendre. Le Decepticon n'a rien fait. Il s'est pointé pour manifester physiquement tes désirs les plus cachés. Regardez-moi les faux mots comme ça, que ma jumbo, je mange de l'argent. Pour moi, les gens, mais voilà. La faute à l'esprit faible et léger en soi, allumeuse. Ah, Seigneur. Les femmes. Avant de chanter, il avait les mots. M'a rendu accro. J'ai aimé la chanson là jusqu'à l'époque là, il y a un gars qui m'a fait mal au cœur. J'ai chanté la chanson là sur lui jusqu'à. Je l'ai suivi chez lui. Bête de jardin et chien de compagnie. Putain de maison encore. Putain de maison, on s'imagine tout sur la vie de famille pendant tout ce temps. Je reste comme ça et dis que. Attends. C'est moi qui avais cherché. Nathalie ne rit plus, pardon. Ouais. Oh là là. Un jour, j'ai dit que j'avais fait un livre où je prends l'histoire de beaucoup de femmes. Je mets là-dedans. Tu racontes ta part, comment tu es tombée. L'autre raconte sa part. L'autre raconte sa part. On dit que t'as pas de déception qu'on t'avait pris comment. T'as pas, t'avais pris comment. Tu dis que mais on s'est croisés. Donc j'étais en partance pour Paris. Mais j'ai fait escale à Bruxelles. Je me suis levé dans l'avion pour aller dans les toilettes. Et puis nos yeux se sont croisés. Il était beau. Grande taille. Il avait pris du mambo, il l'a mis sur son torse. Vraiment, moi, c'est là. J'ai regardé souvent, me fait mes propres histoires. J'ai ri encore de mes histoires moi-même. Et quand je l'ai regardé, il avait une calvitie bien rasée. Du coup, ça le rendait très, très, très sexy. C'est alors que je me suis dit, non, je ne peux pas te regarder. Je viens à peine de finir une relation.
Mais quand je passais à côté de lui dans le couloir, je l'ai évité, mais il a fait semblant de prendre son sac dans l'étagère qui était au-dessus de ma tête. Et c'est là qu'il a trébuché. Et nos regards se sont croisés. Et l'avion s'est arrêté dans l'air. Six mois plus tard, nous étions en train de nous marier. Il est venu dans mon village. À quoi? Vous écrivez quoi dans le livre? Il a monté les collines de Badjoun. Parce qu'il a dit qu'il allait venir doter sa princesse noire. Oh Seigneur! Et quand on a pris le vin et la cola, on lui a donné. Est-ce que tu es sûr que tu veux notre fille? Il m'a regardé dans les yeux. Oui, je le veux. Et là, mon grand-père lui a dit, si je bois ça, je ne vais plus recracher. Hein. Et là, il a dit, grand-père, tu peux boire, il n'y a pas de souci. Nous nous regardâmes dans les yeux. Et soudainement, nous étions sous au vin blanc. Pourtant, nous n'avions pris qu'une gorgée. Bon, on va continuer de fumer plus tard. Ah! Je dis que j'ai mes personnalités. Vous ne me connaissez pas encore bien. J'ai mes personnalités. Aïe. Ah, yeah. J'ai Stacy, j'ai Stéphanie, j'ai Jocelyne, j'ai Laure, j'ai Kouo, j'ai la coach. J'ai toutes les qualités dans moi là. Ouais. Et en fait, je racontais cette histoire parce que nous sommes en train d'attendre dans la salle du tribunal. Il a demandé le divorce. Oh, le bâtard. Il veut me retirer la garde de notre petit mignon, Jeffrey. Mais je dis jamais. Du coup, j'ai décidé de porter plainte contre lui. Tu commences d'abord d'aller là où l'amour, le coup de foudre. Après, tu commences à te bagarrer devant le juge. Oui. Ouais. Moi, mon livre aussi me plaît. J'ai envie de continuer. Oh. Et le juge vient. Il tape. Ok. Nous avons monsieur Decepticon. Il baisse ses lunettes. Decepticon. Ok, Decepticon, oui. Contre mademoiselle, madame qui veut devenir mademoiselle choisie. Oui, quelle est l'accusation, s'il vous plaît? Elle m'a envoûtée, elle m'a sorcellée. Et puis, là, elle dit qu'elle veut divorcer. Elle dit que je suis un Decepticon. Chacun d'entre vous a son histoire. Ah, je crois que dans la vidéo, là, je racontais mon histoire, oui. Je m'étais séparée de mon ex-mari en avril 2018. En mai 2019, ça faisait un an. Je n'avais pas parlé à quelqu'un. On a fait 4 mois de mariage. Oui. Je donne des cours de théâtre aux enfants. Hein. J'enseigne le théâtre aux enfants. Raïssa, merci. Tu veux la partie de la troupe? Je crois que si on va écrire ça, la partie du village au village, là où on fait le mariage traditionnel, ça sera très bien. On amène la première fille. On lui demande de choisir que c'est elle. Il dit non, on repart. Après la partie où les mères viennent chanter, on demande de l'argent là. On vide les poches de ta belle famille. Jusqu'à qu'il rentre à la maison avec toi, comme si il te regarde, il dit hey! Oui. C'est fou quand même de voir que tu traverses des choses avec quelqu'un et après c'est comme si un esprit entre dans lui ou bien sort de lui, je ne sais pas. Et tout d'un coup, il fait comme s'il ne te connaît plus. Vous vous détestez passionnément. Oui. On essaie de faire des réconciliations, il ne veut même pas.
Alors qu'à un moment, il te regardait. C'est ton anniversaire. Je vais t'emmener quelque part. Ferme les yeux. Il prend un bandeau rouge. Mais j'ai l'onction d'amoureuse qui fait que venir ce soir. Il te met un bandeau rouge sur les yeux. Vous descendez l'ascenseur. Tu es dans la voiture. Tu sens dans la voiture. Dans une belle limousine là. Il te donne du champagne. J'entends du jazz, du Frank Sinatra dans l'arrière-plan. Il est en train de raconter de belles choses. Ah, et tu es là, tu te dis, attends. Le bateau mouche vous attend. Il a réservé tout le bateau mouche. Vous m'entendez? Juste pour toi. Soit il a pris toute une aile. Il a payé même 4000 euros seulement pour avoir l'aile là avec toi. Dès que tu mets ton pied sur le navire, il ouvre. Il y a les roses au sol. Et là, tu dis, oh, ça c'est pour moi. Il dit, oui, tu le mérites, ma reine. Et là, tu fais, ah. Continuons le film. Et là, tu vois, vous avez peut-être trois personnes à votre disposition. Madame, tu prends le verre, tu fais, on verse. Tu marches, tu as mis ton Louboutin qui t'avait offert le mois dernier, là, le soir, là. Hein? Hey, je connais les choses. Hein. Ne vous voyez pas, c'est pas parce qu'il ne parle pas ici là. Vous me prenez souvent pour une petite villageoise qui sort de Toungan là. Non. Bah, tu t'assois. C'est quoi la leçon à en tirer? Non, il n'y a aucune leçon à en tirer, ça me plaît. Nia et le Nord, ça me plaît. Je suis sur le navire. Je suis en train de partir en croisière sur le bateau mouche. Si je n'ai pas encore fait de bateau mouche, je crois que c'est pour ça que tu me dis ça. Le bateau mouche, tu ne peux pas oublier le bateau mouche, ma chérie. Oui, attendez, continue ma croisière. Tu t'avances. Tu sens l'air. Il y a des roses sur le sol là. Et c'est le soir là qu'il va te demander de l'épouser. Hein? Mm-hmm. Vous savez quoi? Préparez-vous même pour le prochain gars qui arrive. Ouais. Et là, tu t'assois. Il y a des bougies partout autour de vous. Il y a des roses sur le sol. Et il t'avait demandé expressément de mettre une robe rouge en soie. Oui. Majumboum, oui, bien même. Tu t'assois. Il y a un monsieur qui joue du violon. Il vient à côté de vous, il commence. Et puis une jeune demoiselle avait une voix suave. Elle commence à chanter. Ouh. Tu regardes, tu dis, hey, les choses des blancs, tu le regardes. Tu dis que voici l'homme de ma vie. Vous savez, beaucoup d'entre vous, hein, vous avez beaucoup souffert. Ce qui fait que quand je raconte comme ça pour vous, vous vous dites, je ne veux même plus pas d'excuses. Excusez-moi. Je ne veux plus. Préparez-vous. Continuons, on repart sur le navire. Non, on repart. Oh, les cheveux au vent. Oh, tu connais. J'ai failli dire les cheveux au vent, mais après je me suis dit non. J'ai les cheveux crépus pour l'instant. Après je me suis dit non. Ok. Donc en fait, j'avais porté ma perruque. J'ai une perruque à la maison. C'est celle-là que j'avais mise. Ok. C'est quoi? C'est 18 inches. Donc c'était assez long. Voilà. Il y avait un... Non, on ne met pas le ventilateur. Il y avait une petite brise ce soir. Du coup, le temps d'entendre, ça fait... Tu connais Alette. Oh, ça, ça arrive tout à l'heure, ça arrive. Ça, c'est quand les lumières de la tour Eiffel vont s'éclairer là. Ok. En entrant, on vous apporte du saumon avec un truc comme la confiture ou c'est le miel ou c'est quoi, tu ne connais pas. On a mis une herbe dessus. Une herbe. On dit que c'est la roquette. Tu prends sa main aux alas, tu fais in. Il te regarde. Tu veux un peu, il dit que non, ce soir il n'y a que toi et moi. Ne pense à rien. Tu fonces à moi, tu dis, ah, ok. Non, Nathalie, mais le Titanic n'a pas coulé. Ne venez pas gâter ma soirée, c'est quoi? Je vous invite dans mon avis, vous venez commencer à dire que ça a coulé. Les gens se lèvent, ne veux pas gâter ma chose. Bonsoir, Vams. Assois-toi, on est sur le navire. Je vais vous faire voir le pouvoir de l'imagination. Ça, j'ai déjà vécu ça. Donc, pour moi, j'augmente juste certains détails. Et là, tu manges ton saumon avec un peu de beurre sur ton pain. Et tu accompagnes ça avec un bon vin doux. Et là, il commence à te dire, voilà, tu sais...
Le mois prochain, je vais aller à Monaco. Mais avant ça, tu vois, je voulais pas te laisser comme ça. Parce que tu sais, ça fait déjà 6 mois qu'on se connaît. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Vraiment, ceux qui viennent d'arriver ici, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle drague la caméra ou quoi? Écoutez seulement. Et voilà, je voudrais passer le reste de mes jours avec toi. Je voudrais que tu sois la mère de mes enfants. Et quand il dit comme ça, là, ton cœur commence à faire boubou, boubou, boubou. Ça battait déjà, hein? Mais comme par hasard, tu commences à savoir que ton cœur bat. Et là, il se dit, il fait un peu, il met la main dans la poche. Quand l'homme te sort la bague comme ça, il fait ça. Oh! Ce n'est pas que le film. C'est doux. C'est bon. Ça a le goût. Hey! Vous parlez de quoi? Le goût de ça? Non, ce n'est pas seulement le film. Tu dis que donc c'est pour ça que les filles là se sentent dans le film. Et que c'est bien, que c'est un genre. Et là, bon, après ça, quand on ouvre la part, tu dis, ok, il faut, c'est quelle taille? Il faut pas que, je veux pas des petits diamants, mais bon, problème de fille à côté. Et là, tu, bon, espérons que tu dises oui. Quand il voit quand même le décor qu'on a planté, tu vas quand même dire oui, même si la sensation, c'est à connaître, franchement, et ça, tu need to. C'est un peu comme si on te dit qu'il y a une nourriture quelque part en Italie que tu dois aller goûter. Si tu ne goûtes pas la nourriture là, hein, quand tu vas rester, tu vas te dire que j'ai perdu quelque chose dans ma vie. J'ai vécu, mais je n'ai pas vécu. Aïe, il est sur la petite miette qui est sur le recoin de ta bouche. Ouais. Ouais, Seigneur. Et là, il sort là-bas. Tu as dit oui. Tu as dit oui. Et quand tu dis comme ça, tout le staff sur le navire commence à crier. Ne gâtez pas, restez dans l'ambiance maintenant. Ne me parlez plus de couler le Titanic. Ne me parlez plus de divorce. Il a le temps d'être proposé. He's proposing, ok? Jouez le jeu. Vous allez arriver au cinéma, vous allez commencer à gâter le film. C'est comment? Et là, il ouvre seulement toute sa bouche comme ça. Il te donne un baiser passionné. Et là, tu l'embrasses. Tu dis, oh, enfin, le jour de mon anniversaire. Yes! Tout le monde quelque part dit, yes, I did it. Yeah. Sur le chemin du retour, tu es en train. Quand il te surprend, tu fais. Après, tu fais. Ah, il te. Oui, chérie. Vous savez quoi? L'amour est bien. Franchement, l'amour est. C'est vrai que chaque jour je parle de déception amoureuse et il y a des gens mariés sur ma page. Vous allez croire que je suis contre les relations. Pardon. L'amour est bien. Après vous rentrez à la maison, vous faites l'amour au clair de la lune. Donc tu fais le genre d'amour là qui met d'abord la musique. Le genre de bas fait que c'est qu'en bas du lit là, ça résonne que dans ton ventre. Eh! Nathalie, tu aimes ça? Tu te bouches, tu te rattrapes à la taille. Toi, tu aimes. Les films d'Hollywood, là, c'est ça. Jennifer Lopez. Bon, qui est venu gâter en disant que c'était le rêve, là? Tu vas sortir, je vais te chasser. Évariste, tu vas sortir. Ouais. Vous savez quoi? Il y a beaucoup d'entre vous, ça fait au moins 1 an et demi, vous n'avez pas eu la sensation aussi. Parce que tous les jours, c'est vraiment le hustle, hustle, hustle. Il y a un homme autour de toi pour te faire vraiment ressentir même un peu ça. Tous les jours, tu es hustling, hustling, tu dis que, qui est. Demain, on va parler du divorce. Dormir ou en pensant à l'amour, pardon. Vous pensez pour le divorce ce soir. Je crois que Nathalie va écrire les harlequins parce que ça parle de romantisme là. Elle a une imagination très développée dans le romantisme. Vous savez, si elle vous dit aujourd'hui que ça vous attend encore dans votre futur, vous allez dire, hey,
Arrière de moi, ça, jamais. C'est depuis combien de temps je suis restée comme ça? Non, ça ne peut pas arriver. Vous devez voir. Vous devez voir. Voyez. Pour que ça puisse arriver. Et les choisir, quand les choisir tombent amoureux, le choisi va rencontrer sa personne aujourd'hui. Après demain, ils sont ensemble. En termes d'heures, 48 heures plus tard, vous êtes ensemble. Donc, ça ne t'arrive pas tous les deux jours de rencontrer quelqu'un avec qui ça. Mais quand ça se passe, tu connais que tu connais que tu connais que tu connais la personne. Et quand, généralement, les maris les choisissent, c'est aussi des hommes très décisifs. Quand ils te rencontrent comme ça, là, la passion, il aime les chansons que tu aimes. Donc, il connaît, donc c'est comme si, quand Dieu le créait, Dieu a mis ton programme dans son cœur. Tout ce que tu aimes, il connaît. Même la chanson. Donc, il dit, attends, je vais te faire suivre une chanson. Il dit, ferme les yeux. Tu écoutes la chanson là. Les paroles t'emportent jusqu'à tu ça, tu le regardes. Tu dis que tu sors d'où? Tu sors de mon rêve ou tu sors d'où? C'est pour ça qu'il faut que vous criez encore bien dans votre rêve là. Tu vas pas avoir une grosse Bentley, tu n'y as pas l'homme dedans. Il faut qu'il y ait la Bentley, il y a le dos à côté. Yes. Et on va prendre les mambo, on va attacher sur son ventre, on va coller avec le scotch. Ouais, Seigneur. Moi, c'est la même. Ouais. Donc, tu trouves ton gars, il est en gros ventre. Tu achètes 10 mambo à la boutique. Tu colles sur son ventre. Tu prends, tu colles sur son ventre. Parce que quand on voit les films d'amour, ils sont toujours bien beaux, les baraques. Quand il enlève son habit à la plage, comme ça, là, la musique joue toujours. Tu te dis, mais c'est quel genre de musique, ça? Oui. Ouais. J'ai ri aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais apporter une petite touche supplémentaire. Vous faites la cuisine ensemble, tu transpires un peu. Comme il avait chaud. Et là, j'ai essuyé ton front. Oh! Hey! Oh! Nathalie, si tu racontes ton film d'amour, les gens vont venir seulement s'asseoir pour écouter. J'ajoute une petite touche. Il est moins âgé que toi. Il est jeune. Et il est fan de toi jusqu'à... En passant, les choisis sont aussi folles souvent. Hein? En fait, c'est comme si les choisis choisissent ce que personne ne. Donc, ce qui va à l'encontre de tout ce que les gens disent. C'est que ça qu'elle veut. Donc, Nathalie maîtrise. La reine Meka, elle maîtrise. Quand on parle, elle dit que wow, je maîtrise. La virilité de chat. Hey! Vos goûts vont sortir ici. Je vous connais les femmes ici là. Je suis sûr que les hommes ici sont en train de se marrer seulement. Ouais, Seigneur. Vous savez quoi? J'ai envie de rire jusqu'à. Oh. Ouais. Ah Seigneur, les choses interdites. Pourtant c'est bien jusqu'à... Là, je ne sais même pas si c'est Flora qui parle, je ne sais pas si c'est Stella ou c'est Stéphie.
Je ne sais pas laquelle de mes personnalités est en train de parler là maintenant. Tout ce que je sais, c'est que ma tête est sur sur le navire à bas à Paris. Vous dites qu'elle maîtrise. Je suis le genre de coquin. Je peux être le genre que si tu veux tester ton mari, tu viens me payer. Paye-moi. Ou si tu veux le divorce, viens me payer. Je te demande seulement 3 jours. Quand vous dites que j'ai canalisé mes dons, je ne fais plus n'importe quoi. Donc ça, c'est un business que si j'étais encore dans le business de l'autre côté, de là-bas. Il y a les pirogues à Kribi. Ouais, Nathalie, mais quand tu m'as fait seulement tout un autre scénario avec les pirogues là, parce que vraiment, les pirogues là, pourquoi tu es dans la low entre un peu, tu as une petite boîte sur le côté, comme ça, tu prends ça, tu verses. En fait, en tant que choisi, ce qui me plaît, c'est de voir que je peux rester comme ça, je pense à quelque chose, je crée la chose. Je pense que tu peux avoir un business, des jeunes filles qui des tentatrices. Ici, ça se dit même, ou tentatrice, se dit même où. On vient te payer pour prouver si le gars là est vraiment fidèle. C'est les talons qu'on va voir dans ton armoire. Le genre de voiture que tu auras. Hein. Le genre de parfum que tu auras. Ouais. Les killer woman. Ouais, que. Vous me faites, voilà, combien d'heures je suis sur le direct. Les yeux brutaux. Eh bien, oui. Hein. Tu regardes seulement comme ça, là. Le rouge à lèvres rouge, là. Vous connaissez, non? Il faut qu'on fasse un rouge à lèvres qui a la forme du pistolet. Parce que quand tu dégaines ça, là, tu mets sur tes lèvres là. Ce que tu passes seulement, c'est mission, tu vas seulement tuer quelqu'un. Les yeux cassables. Attendez, pas dormi. Et c'est comme vous aussi là. Je sais que vous avez oublié. Il y a beaucoup d'anciennes vies que vous avez laissées. Vous avez laissé. Dieu a fait beaucoup dans votre vie. Vous allez faire le testimony. Que je reviens de loin. Rouge passion. Quand tu mets ça comme ça, tu marches dans la rue. Tout le monde va se tourner pour te regarder. En Europe, en Afrique, en Asie. C'est comme ça les choisis. Le blanc, le noir, le jaune, tout le monde te regarde. Parce qu'il y a quelque chose. Ils sont fascinés. Quand j'ai compris en fait que c'était comme un jeu en fait, c'était comme une énergie que je pouvais manipuler. Je peux envoyer ici, je peux envoyer là-bas. C'est ça le choisi en fait. I can play with it, you know. Tu fais de la puissance. Et souvent, tu as un choisi qui vient dans ta vie, un de ces petits codes qui vient, et il est dans les mauvais business. Et comme il vient, quand il vient, tu as ton énergie. Tu dis, ok, bébé, je veux t'aider. Tu prends ça, tu le mets dans son business. Vous avez déjà fait ça, vous savez. Regardez mes anciennes vidéos. J'ai eu mes phases. Toutes mes personnalités sont passées dans mes vidéos. Toutes. T'étais nécessaire.
Le cœur des hommes. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Tu peux être là comme ça, quelqu'un te tue après, il vient lui au deuil. Ah, c'est la musique qu'il avait écoutée là, quand il vient, ils vont. Bon, le 1er octobre est terminé. J'espère que vous avez reçu beaucoup d'argent. Oh. Toujours dans la joie. Tu les captives. C'est même pas qu'on dirait que tu les captives. Ça m'a, j'ai commencé à me rendre compte de ça quand j'avais peut-être 24, 25 ans. Je me suis rendu compte que vraiment, parce que j'étais en Angleterre, je parlais pas encore bien l'anglais à l'époque. J'étais single mother, j'avais pas les papiers. Et quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, je me suis rendu compte que c'est pas les papiers quoi que ce soit, c'est vraiment une puissance qui était en moi, qui est en moi. Il y a les coiffures que quand tu fais, maman, Alicia Keys, ça te ressort seulement en disant que, wow, vous voyez la mère de Beyoncé, non? That mama hot, man. Ok, je sais que vous ne voulez pas que je dorme et vous ne voulez pas dormir. Je vois votre plan. Je vais vous punir, demain il n'y a pas de vidéo. Vous allez commencer à crier, non! Demain il n'y a pas de vidéo. Vous m'avez retenu 2 heures de temps aujourd'hui. La reine Mekka, les archives sont finies dans mon bureau. Arachide est défini. J'ai pas eu envie de remplacer. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain. Je lève la sanction, il n'y a pas de sanction pour demain. Par contre, si je suis dans de bonnes conditions, je fais le direct demain. Donc, bonne condition extérieure, bien sûr. Passez une bonne soirée. Continuez à l'histoire. L'histoire a continué ça ce soir. Tu vas répondre quoi à tes parents? Ouais, que faut qu'on vraiment. Certains vos enfants vont vous demander. Certains, c'est les parents. Oui. Messieurs. Bonne nuit à vous. Bye bye.